Et faut nous saluer le président Boisguéné, qui a dirigé la Koua et pendant dernier temps ça y est. Donc Boisguéné est un bon président. Et la Cour des comptes, tu as dû continuer de travailler, Jean le Defel, pour être que le PIA est capable plus ou moins qu'un reddition compte qui fait la donne. Mais regardez-moi sur tout réseau, moi sur tout média en ligne et tout. Et aux nouvelles côté la Cour des comptes, bah, Tipier dit que comme qui était dans mes Tipier pour subvention, hein, son comme Tipier bien utilisé. Le comme qui est ce monde? Tipier. Maintenant, qu'est-ce qui Tipier? Vous avez subvention au bah, Tipier, pas mandé. Je suis connu comme bah, ça. Okay. Bon, il faut me dire ça, faut la Cour des comptes plus sérieux. Faut la Cour des comptes plus sérieux. En plus, tout, nous ne pouvons pas faire payer à cause de tout le temps. Vous comprenez? Comme si. Si le groupe volait par nous, nous fongeons, nous blanchions, et puis nous cherchons l'autre monde, nous voulons dire voler. On est gros by on cob. Qui prend on cob? Non, institution, côté lui-même avec un autre monde, tu as dit institution, l'autre n'a pas un mot courant. Et là, on est dans la radio pour le dire, by cob là, au départ, il dit pas, j'aime prendre by cob. C'est là où on met chèque là-dedans, on est là, dit l'ité pour un cob là. Pour by ça a crasé NDDH, et ça fait Marie-Hélène obligé à le faire. FJKL, ouais, l'alfer organise de l'azumé pal. C'est-à-dire, on cop qui passe comme ça. OK? Comprenez? On cop qui passe comme ça. Et puis, kounia, pour la Cour des comptes, mettons bas dehors, comprenez? Pour la Cour des comptes, mettons bas dehors, il dit, cop là, t'es bien utilisé. Oui, bon, vous comprenez? Alors, vous ne pas qu'elle doit faire ça. Alors, oui. Alors, c'est Pierre, hein? Est-ce que c'est Pierre Espérance? Oui, Pierre Espérance. Ah, monsieur ouais, Degen, okay, okay. Monsieur Degen, monsieur Degen, monsieur subvention. Au départ, monsieur Degen, dans la radio, il dit, il n'y a pas prendre cop la vraie. Léo et les Mariolènes, Mariolènes dit pas qu'on baille comme ça, NDDH pas qu'à prendre comme tout dans l'État haïtien, il est tout crasé, Mariolènes a fait baille par lui, monsieur était dans NDDH. Qu'on y a pour, comme si la Cour des comptes dit que monsieur est plus blanc que la neige, comme là t'es bien utilisé, moi je pense que mon la Cour des comptes, il faut nous plus sérieux. Il y a des institutions qui ont fonctionné, qui ont marché. Vous comprenez? Go pile moun qui dégage l'argent l'état dans mais yo moué nous voye bay nous mettez des ben fond ensemble de bagaille contre moun sa yo c'est très bien si on te prend comme là on te mal utilisé mais pas protéger petit groupe volé par nous comme si nous gè petit groupe volé par nous donc même la Cour des comptes là trempé dans cob pétro caribé ali cob pétro la Cour des comptes go pile cob nan mel yo même tout pas ka prouver qui ça au fa cob là parce que dit acheter matériel ordinateur que yo pas ka joindre ça dit que talent n'a blanchi tête pour tout n'a dit nous pas voler donc nous pas ka faire un pays ça faut nous comprendre pays différemment moi on pas d'accord comme si nous un pays qui ge passe pour qui c'est que la justice ka bay que yo bay la justice pour tout le monde on est qui on comme subvention nan mel qui on fait comme s'il bien utiliser ou bon nego cob pour faire bay ou dire pour élection et pour bagarre mais chaque fois pour nous bien utiliser comme si n'ego pas honte monsieur là pas honte tu font rapport sorti sur ça pour dire comme comme là t'es bien utilisé tu monde qui gérer institution pas au courant gagne qui pas au courant responsabilité pas au courant c'est les impétés et les impétés oui et puis comme si n'ego pas monsieur là pas honte de la Cour des comptes pour n'a dit comme là t'es bien utilisé même pas c'est ça pour nous suspendre dans pays et puis tout je dis à me devine pour ça président Jovenel Moïse mouri déjà à nous quitter le reposer en paix. On ne va pas chercher 45 millions de dollars sur Internet pour mettre en côté, pour dire président de Gambay la Kaili. On ne va pas faire ça. Monsieur mourit déjà. Il assassiné monsieur déjà. Quittez monsieur repose en paix. Vous allez mettre le CNEO à dire tout le président que tu es tête. Et puis on a fait une nouvelle la marche tout, on a dit monsieur, vous avez des gourmets, des gourmets, monsieur, ou pas monsieur, vous tête 12 balles. On ne va pas faire ça. Président mourit déjà. Quittez le repose en paix. Donc tout le monde connaît pas jamais gagner justice vrai d'ailleurs pas jamais gagner justice dans le pays et pas président Jovenel Moïse qui t'a bien justice là il t'a fait plaidoyer là pour bâtonnier on veut tout qu'on dit ça campagne on dit bâtonnier pas bien justice parce que Haïti son pays qui a tradition ça n'importe monde veut tuer yo tuer et puis après ça personne pas jamais connait qui monde qui tuer quel que soit monde dans le pays d'Haïti et comme ça le toujours Jean Dominique mouri depuis plus passé 20 ans il a 21 ans depuis le mouri. Est-ce que nous jamais connait qui monde qui tue? Nous pas jamais connait. Nous pas jamais connait qui monde qui tue Jacques Roche. Vous comprenez? Nous pas jamais connait. Nous pas jamais connait qui monde qui tue Batonia. Nous pas jamais connait qui monde qui assassiné Jovenel Moïse. Et Gétan gon greffier là qui mouri. Gétan gon greffier qui mouri. Donc greffier et juge d'instruction qui ont metté sous dossier Jovenel Moïse. Donc monsieur mouri.
j'ai mouru. Donc, dans pilote, monde qui parle mourir tout. Et tout le monde qui parle kaba information, mais qui a collecté données, tout a mouru. Vous comprenez? Et quand on va faire le film Zari, il comme Ika, on pourra nous compte que tout le monde qui était connu, qui était ouais, le fait qu'on était juste ouais, ou qu'à mourir. Voilà. Alors, si vous pouvez faire un président, je pense que l'Anne a fait une petite ouverture avant qu'une première invitée. Est-ce que nous nous rappelons de spectacle qui était passé avec le ministre MDPTC, José Snader, le petit débarqué en bas, dans la question, 60 MW courant, que le coût supérieur des comptes, pas de les signer, etc., il y a un problème. Maintenant, je veux dire, il faut bien garder. Moi, je me dis ça déjà, c'est une institution que nous gagnons, côté que nous devons faire très attention pour ne pas perdre l'institution ça. Mais en même temps, tout, c'est une institution, moi, je pense qu'il faut que nous soyons plus sérieux, j'en dis, là, président Jean. Le Cour supérieur des comptes, pas supposé un élément de blocage pour un ensemble de projets que l'État a organisé, ou bien t'a voulu réaliser. Même Jean, et le ministre José Snader a débarqué parce qu'il a trouvé que Gonto Lalito, parce qu'en dans le Cour supérieur des comptes, parole l'en parlé, en pile mon au courant. Gain de institutions. Pour contrat aussi, dans le Cour supérieur des comptes, il faut que les gens font ballon 10 contrats ou 15 contrats. Donc parole l'en parlé, ce n'est pas la première fois qu'il a attendu. Gain de projet pour le passé, il faut qu'on baille ensemble de responsables l'argent. Et c'est ça qui fait que gain pile nèg loi prend yo. Et il y a des informations qui disent que. Loi te prend ministre José Snader parce que vous demandez de négocier. Faut le bailler l'argent en bas. Oui, donc, je ça dit, un, le supérieur des comptes pas supposé un élément de blocage pour un ensemble de projet. Mais en même temps, l'IPACA, on l'autre javel comme si on a du Clorox ou la blanchineg. Parce que grand, ça pour nous comprendre. Oui, comme ça, t'es qu'à bien dépenser. Comme ça, tout, t'es qu'à mal dépenser. Mais si nous partis, nous prenons à la base, Jean dossier ont été éclaté. Il y a plus de possibilités pour qu'on mal dépensé que le bien dépensé. Parce que c'était Marie-Hélène Gilles et Pierre Espérance, deux, qui t'a géré l'institution. Marie-Hélène Gilles expliquait une radio, pas au courant. Première fois, Pierre Espérance dit pas au courant. Le chèque, copie chèque, l'a sorti, Pierre Espérance assume, elle dit oui, il te prend. Marie-Hélène Gilles fâche, elle quitte RNDDH. Donc je dis, hein, sous qui base, on est cap cachon, cop que le te prend, qui dit pas te prend, après que Vin dit le te prend. Et gen un schisme qui fait donc institution fond en deux qui Jean gardez bien pour nous oui coup supérieur des comptes qui doit faire enquête pour dire t'es bien dépensé mais à la base gros problème non c'est que moun qui prend cob là t'a caché ça et moun qui t'est bon côté il pas veut le connait comment kounyan pral bien dépensé est-ce que c'est non l'autre dossier bien dépensé ou bien pour ça ou t'es pas le cob là ça veut dire moi penser que Jean dit le président Jean coup supérieur des comptes pas de personne on a beau pas il dit pas de prendre cob là. Il a montré le copie chèque là, il a songé. Que t'es prêt? Que t'es prêt? Comment le bien dépensé? Va la craser l'institution contre le pays. Qui j'en bien dépensé? On a sorti au rapport où dit comme là t'es bien dépensé. Et c'est là pour nous garder, président. C'est là pour nous garder. C'est même Jean. Coup supérieur des comptes, gros travail que l'a fait. Gué de moun, calme des décharges. Là où on a des charges, enquête non supposée fin faite pour au bail, pour au prendre dernière décision. Coup supérieur des comptes, quel que soit ça le fait. J'ai l'impression que ensemble de médias en ligne, réseaux sociaux, c'est garder les gens qui ont des décisions sur les réseaux sociaux. Alors que les gens qui m'ont des charges pour qu'on gagne. Enquête pour qu'on finisse, rapport partiel que le Cour supérieur des comptes fait, c'est garder sur les réseaux sociaux. Donc on est en forme plus sérieux. Il y a une institution qui est si noble, qui t'a doit aider le pays, il y a de fuites, il y a de fly que monsieur a fait, il faut qu'il fasse attention. Parce que le président Boagéné, que les plusieurs autres juges encore. En pile là, yo, capable sérieux. Nous pas qu'à dire que c'est des vagabonds que oui. Mais présenter tête tout comme si vous c'est pi bon monde ou pas dans rien dans la République. Alors que toute institution a plein parce que n'a pris un contrat dans mais pour nous signer un contrat pour monde. Le bon contrat l'État avoué à l'en bas dans le Cour supérieur des comptes, faut au bas non comme en bas. Mais monsieur, faut plus sérieux. Si n'a crasé institution, qu'on y a pas la guerre. Comme si on parlait de charge sur la radio. Pour dire que c'est la radio qui a crasé le Cour supérieur des comptes. Souffou et puis devant. Mais tout le monde comprend que le comportement ça n'est pas sérieux. Et je pense que président Jean, si vous n'avez pas fait attention, vous pouvez louer le mandat est fini, dans le choix que vous avez gagné pour choisir l'autre 10 juges en bas, suivez bien ça qui va passer. Sauf qui a gagné dans le CSPJ, il est arrivé dans le Cour supérieur des comptes. Ça veut dire que chaque institution vient difficile pour proposer moun. Parce que moun sa yo, pral, c'est comme si m pral di, une institution qui est indispensable pour bon fonctionnement de la société, hein,
et pour prouver que les bancal, les dysfonctionnel, parce que il y a difficile pour mettre moun là dedans. Donc moi pense que Jean, moi pense que Jean ou commence émission que Coussupier des comptes plus ou moins laver visage yo. Parce que il y a des gens et puis d'ailleurs tout Coussupier des comptes pas un groupe opposition ni pas un groupe qui travaille pour pouvoir. Faut pas avoir l'impression que il a bloqué pouvoir, il a blanchi nèg qui dans opposition. Et faut pas avoir image tout, il y a défendre pouvoir, il y a bloqué opposition. Il y a indépendant, qui ont montré qu'ils sont indépendants. Non mais c'est dans le même sens, parce que pas oublier que par rapport avec un ensemble de projets. C'est l'institution. Comportement authentique, genre très délicat. C'est l'institution qui est indépendant. Mais son travail aurait dû être aussi un travail qui montre. Oui, qui montre l'indépendance quand même. Mais nous tous connaissons. Non, doit être. Hein? Quelques agents, ça, il doit être. Debout, elle, regardez, depuis le passage, c'est vagabondage. Non. Son travail doit être indépendant. Ouais, depuis nous mettons l'autre bagarre avec vagabondage. Vagabondage. Je crois que nous avons posé un problème de société. Citoyen qui constitue société. Ce n'est pas de citoyen qui n'a pas culture de servir la République. C'est de monde là qui a servi tête. A servi groupe yo, a servi clan yo. Donc, moi j'ai l'impression que c'est fort de constat ça qui fait que Marco dit aurait dû être. Et effectivement, c'est ça le tadoué. Mais c'est ça le comme nous, mon ami, moi toujours dis ça. Hein. C'est pas institution le problème, non. C'est moun qui n'a eu qu'à faire fonctionner. Nous toujours, par exemple, moun a critiqué le Parlement. Oh, faut que yo dissout le Parlement, faut que yo crase le Parlement. Mais le Parlement comme institution, c'est pas lui le problème. C'est pas parlement, c'est pas institution qui pose le problème. C'est moun qui l'a donné, ce sont les parlementaires. C'est eux-mêmes qui fait parlement exister. Ensemble de fonctions que parlement gagne, c'est parlementaire yo, qui matérialise fonction ça, qui fait que, bon voilà, vos fonctions législatives, yo fait des propositions, loi, etc., ou voter. Mais si moun yo pas bon, pas attendre que l'institution a bon. Moun qui dans la société a, qui dans la Cour des comptes, oui, la Cour des comptes, mais ça vient comme mission. Mais quand par exemple, pour gagner de monde, qui a favorisé ce groupe, qui a protégé ce groupe, écoutez mon ami, on a toujours gagné de possibilités pour dire comme ça que, bon, la Cour des comptes, c'est le problème, non. Moi, je pense que ça pour nous faire, c'est réfléchir sur le monde qui est dans l'institution. Bon, comment se fait-il que, monsieur, il y a une institution dans l'État. Et dans même l'État, ça, il y a un projet qui a bon pour le pays. On l'autre institution, les gens qui dans l'autre institution, il faut payer pour faire tel ou tel projet passer. Nous, ça a un sens. Parce que la Cour des comptes fait partie de l'État. Évidemment. Elle est dans l'État. MTPTC, c'est aussi un service dans l'État. Ça veut dire, c'est facile automatiquement. Où songez, président Jean Lenda réfléchit là. Si par exemple, un projet qui a porté la Cour des comptes, si on estime que un procédure qui va respecter, moi je pense que c'est pas aussi simple, puisque c'est tout le monde a travaillé pour l'État, vous dites, bon, mes procédures qui va respecter, ya, donc j'ai s'appliqué les bon projet. Ou bien sur les experts, ça, yo, la caillou. Si experts corrigent le projet, et puis nous avons ça. T'as de quoi harmonique de gars. Oh, harmonique, effectivement. Parce que le temps est un. Est indivisible. Moi, c'est ça qui est passé avec Joseph Snyder. Elle a continué à passer. Et seul, ça n'a pas de négo. Majorité institution qui a plein ou nous en bas, dans la gorge, qui a dit que, très souvent, dans la question contrat dans le pays, hein, coût supérieur des comptes qui est dans le coût en bas gorge, chaque nègre mande pour ballon 10 contrats ou 20 contrats pour institution contrat au passé. Le gain 300, faut ballon 10 ou 15 ou 20. Faut nous mettre dénoncer, enregistrer, dénoncer. Mais ça qui est drôle, généralement, en pile dans les gaps de contrat, il y a 30, il y a 40. Et ça qui fait que le pape a dénoncé, parce que si vous dénoncez les gens, 30 à 40 contrats par an, on va pas passer. On a cherché invité. Hein. Bon, nous avons invité. Mais de toute manière, moi je pense que vous avez dit déjà pour gagner son nec pour respecter. Vous comprenez, même si M. Douégué respect pour fonctionner. Même si M. Douégué respect pour politique, il n'est pas de faire politique en dedans. Ça l'a fait un tas de plus technique parce que je comprends que quelqu'un a reconnaissance politique là parce que si nous pouvons mentir allemand des sénateurs Le Bon, allemand des sénateurs Francky Exius, parce que dans l'époque que tu as fait choix, comment ça t'a si c'était pour compétence, il semblerait que Jacques Neuxilus, c'est lui qui t'est passé entrevue, hein,
mais monsieur te mette cancer dans taillou, yo te choisi Boagene, faut pas oublier ça non, faut pas oublier ça. Donc la c'est le monde qui te mette là aussi c'est que ça. Faut pas oublier ça. Non, là ici. C'est ça il y a servi monde qui te mette là. Non. Compétence. Pas compétence. Va dans toute la. Non, toute compétence là si vous y mettez. Ça arrive dans mon moment pas passer interview. Bon, parce que c'est allié. OK, on est quelqu'un très compétent, on va passer une interview connect dans moment où pas passer. Ça va faire pas compétent. Par exemple, il y a des nègres qui connaissent maîtrise al composé dans la faculté de droit. Dans concours, il pas passer non. OK. Nous avons un invité qui en ligne, nous avons diplomate aussi Aristide qui a suivi. Bonsoir frère. Nous avons secrétaire général Conseil des ministres qui est même pas intervenu. Professeur Rénal Lubéris, bonsoir. Bonsoir Quentin, bonsoir Val, bonsoir Marco, Marie-Claude de Bécula, bonsoir Vité Pétou, bonsoir à tous les membres du poste couture. C'est un plaisir de vous parler. SG, en fait, secrétaire général, jodi an, situation politique là compliquée. Plus de mois, président Jovenel Moïse assassiné, ou tape collaboré avec lui au niveau palais national. Et palais censé vide, gagné un premier ministre qui, selon lui-même, a joué le rôle premier ministre et président, les pleins pouvoirs. Et. Ok, donc. Secrétaire général. Vous conseillez des ministres. Exactement. Donc maintenant, comment ou même ou vive. Secrétaire général palais, mais secrétaire général conseil des ministres. Exactement. Mmh. Okay. Donc maintenant, comment ou même moi vive situation ça après un mois et donc enquête a continué et ou même moi observé et ou a intervenu tout. Merci, compagnie pour votre question. Je profite pour moi et beaucoup de chapeaux pour ce groupe et notamment pour David Pierre Pochal qui est en travail pour une taille. On travaille dans ce sérieux, on travaille une formation autour de l'assassinat rappelé du président République là, son excellence, M. Jovenel Moïse, qui permet que les populations ont une série d'informations qui, sinon, la population a des bouts d'informations mélangées avec des intocs, et des intocs qui ne peuvent pas présenter aucune réalité. Donc, chapeau pour nous, M. Mascoup. Donc, situation et politique, là, je dis, elle est compliquée, effectivement. Et faut que chaque monde essaye de gagner le sens de la mesure pour nous mettre peut-être mon sur l'épaule, pour éviter que la situation dégénère plus que j'en ai là. Et oui, pour que le fait que le Premier ministre là, à la parole, le Premier ministre et le président, et. Il n'est pas possible. Le Premier ministre n'est pas être président et Premier ministre. Donc, il est Premier ministre. Et si tu as un monde qui t'a appelé le président à la fois, son nom est parce que c'est le je peux être bien pris. Donc, par contre, le président empêché, et c'est de droit que le Premier ministre là est capable de diriger, faire des ministres qui est les mêmes. Hein, on fait des attributions, en plus, on fait des attributions qui normalement dévolues à président de la République. Donc, parfois, on a une notion de l'unité monétaire, un président de la nuance, et on a pensé que c'est le Premier ministre qui est président. Le Premier ministre n'est pas président, le Premier ministre ne sera président, à moins que le Premier ministre décide d'aller aux élections, ou bien d'être porté par une dynamique politique qui permet que le rôle président. Mais les institutions qui ont fait la réalité empêchaient que le pouvoir exécutif là, et qui vient de cette la dame pour des têtes réunies en un seul monde. Donc, que ce soit et pour le ministre, pour le ministre, ou bien et si le président pas là, pour le ministre à la fois pour le ministre, et puis présider le Conseil des ministres, mais toute décision prend à l'unanimité dans le niveau du Conseil des ministres, au niveau de l'ensemble des gouvernements. Donc, ça, c'est un point de droit, un point administratif lié. Maintenant, et qui pas, évidemment, et fait. Qui tenu compte de la situation politique là qui est évidemment très très compliquée, qui demandait en pile une concertation pour être capable de vivre sortir et payer à de là dans la situation là. Et puis bon, j'en pense que payer à la situation là, c'est pour respecter l'engagement de dépenses
pour conduire le pays à nos élections et pressées, donc pour capable d'une autorité légitime qui vient diriger le pays à, parce que sinon, nous risquons pour nous tomber dans une situation de chaos généralisé que nous tout prenons et nous pensons que nous pas souhaitons à beaucoup de personnes. Et Renal Lumeris, vous so dit là que le Premier ministre n'est pas capable de jouer le président. Mais vous entendez bien, nous allons. Allô? Est-ce que vous entendez moi là? Là, vous entendez bien. Ok, ok, voilà. Non, en fait, le développement pour faire là, vous montrez que sur le plan du droit administratif, le Premier ministre n'est pas capable de jouer le président. Et Premier ministre à la fois, ce que moi-même, je suis d'accord. Mais, dans l'échange qui est là dans le studio, ça, il a posé Premier ministre la question, est-ce que il y a un pouvoir de nomination et de révocation? Et il a répondu par la positivité pour dire oui, il est capable de nommer, il est capable de révoquer et même déclarer la guerre. Donc, alors ce que nous connaissons, surtout pour les directeurs en fait, généraux, c'est président que la Constitution a bail droit pour le faire ça. Est-ce que dans ce sens-là, il trompe ou bien pas qu'on est qui s'en comprend de ça? Bon, deux possibilités. Soit pour ne pas mal comprendre une question, et non qu'à ça, le bail réponse ça. Soit mon monde qui dit que vous êtes capable de tout mener mon mensuel et de vous faire le gouvernement mensuel et de vous donner. Mais normalement, suivant le droit haïtien, suivant le droit administratif haïtien, le Premier ministre a le droit pour lui nommer, révoquer fonctionnaire, donc suivant la loi, notamment décret 2005 sur l'administration centrale de l'État, lui définit clairement le pouvoir pour le Premier ministre là. Mais quelle que soit la situation, pourquoi pour un État va aller au-delà de l'État et la Constitution et puis décret sur l'administration centrale de l'État et dit ce fonctionnement et l'administration centrale de l'État, il a nommé et révoqué les fonctionnaires. Mais le directeur général là, c'est le président qui nomme lui. Donc dans le cas président par là, et à travers le Conseil des ministres, à ce moment-là, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le Conseil des ministres. Mm-hmm. Le Conseil des ministres de manière collégiale avec le Premier ministre, bien entendu. Et il y a un droit et bon, c'est une décision qui, normalement, c'est une décision que le président prend. Mais à ce moment-là, nous comprenons bien que ce n'est pas le Premier ministre qui a le plein pouvoir. Même à Athènes, parce que vous-même, vous parlez comme élément de circonstance politique, vous parlez de circonstance politique, tout. Et pour un pouvoir, le pouvoir, le vrai sens du mot dictature, c'est un pouvoir exceptionnel, côté qui en fait le chef fait ce qu'il veut. Mais même dans ce pouvoir exceptionnel, il était limité dans le temps. Et donc, ça n'a pas existé dans le droit moderne, non, l'État moderne, ça n'a pas existé pièce côté. Même les pièces tirants ne peuvent pas décider seuls de monopoliser, de concentrer tous les pouvoirs. Donc, ça n'existe pas. Et personne ne peut oser le dire au Premier ministre, et le Premier ministre ne peut se le dire lui-même non plus. Et nous disons ça avec une telle liberté par rapport à ce qu'on a dit, les masses politiques, tout le monde se développe là, avec une telle liberté qu'au grand jamais, qui est dans une situation de pouvoir, qui est dans une situation de position, dans une situation de citoyenneté, parce que le même discours ça, à aucun moment, un Premier ministre ne peut pas s'arranger tous les pouvoirs, celui du président de la République et celui du Premier ministre, et celui de tous les autres. Ça n'existe pas encore moins dans notre réalité d'aujourd'hui. Donc c'est un point important pour nous faire, pour éviter de calmer, pour être capable de calmer les ambitions des uns et des autres, ou des envolées et lyriques que nous sommes capables de rencontrer. Mais PM n'a pas fait référence à pouvoir collégial qu'on parlait là. Bon, moi-même, personnellement, moi connais que le PM est le boss de l'administration, dans le sens que c'est lui-même qui a compétence pour nommer et révoquer. Mais en fait, il a demandé, est-ce que lui-même, tout le monde voit c'est un pouvoir collégial, d'accord, mais est-ce que lui-même l'a nommé, l'a évoqué, surtout les directeurs généraux, parce qu'il n'a pas de fait spécificité, que moi surtout évoqué là. Il dit lui-même, il a un pouvoir de nomination, de révocation. Bonjour. De déclaration de guerre. Pour être limite.
pour tout le monde qui a une position. Est-ce qu'on est président pour qu'on parle du bagage de mon directeur général? Oui, mais connais ça. C'est le président qui est universel ne peut pas nommer seul en directeur général. Le président nomme un directeur général. On parle en discutant un directeur général qui est sous tutelle affaires sociales. Donc, quand on est au minimum, il y a trois personnes qui signent pour le nommer. Mm-hmm. C'est le président de la République, c'est le premier ministre, plus le ministre de tutelle. Comme je dis, le président de la République ne peut pas nommer seul un directeur général. Voir pour un premier ministre, ça nomme seul un directeur général. Donc, ce n'est pas nécessaire parce que, vite qu'il y a un malentendu, et que pour le ministre, c'est un bon qui est bien formé, bon sens pour l'État, il ne peut pas faire ça. Donc, quand ils sont malentendus, et que et nous faisons cette décision-là, même pas besoin d'arrêter en pile sur ça, parce que c'est juste pas possible. Maintenant, Renald Lubéris, en fait, je dis en par rapport avec le contexte politique, là, il y a le groupe qui a parlé de dialogue, qui a parlé de consensus, de, c'est-à-dire consensus que le Premier ministre Ariel Dijouenna, il a trouvé que le pas assez large, donc il faut le plus large. Et lui-même tout, l'État a mandé, l'a prôné en forme d'accord politique, côté que lui-même pour le ta gagner plus de pouvoir, gagner des barrières pour le faire. Et comment comprendre ça? Ça veut dire que lui-même, il a dit tout, pas gagner un président qu'avant les élections. Est-ce que vous rejoignez et qui sont capables de nuancer à votre manière? Je pense que le Premier ministre a bien raison. Il a dit que ça a supposé un président et provisoire pour que ça gagne l'élection, qui est une démarche démocratique normale. Mais et campagne, Val, je ne sais pas si Mato là, je ne sais pas si Gary là, je ne sais pas si Mato. Au contraire, alors, si vous permettez, Rénal, Gary Pierre-Paul Charles, monsieur Lila, il a venu tout à l'heure avec d'autres informations, de nouvelles informations. Ok, good. Good. Donc, notre situation, nous, il est là. On regarde pour avoir un consensus au niveau élite politique, élite sociale, élite économique, là, dans le pays d'Haïti, pour rejeter. Et on groupe le monde avec des gens qui sont majoritaires. Les gens qui pas nécessairement qui intervenir sur ce groupe, dans le moment où on a parlé là, dans l'émission, comme invité, qui a intervenu dans le groupe, qui n'a pas intervenu comme invité, qui n'a pas intervenu dans la maison de l'île, qui n'a pas intervenu dans le groupe comme invité, mais qui n'a pas participé dans le groupe. Les gens qui n'ont pas gagné et qui ont donné téléphonique et par le téléphone, on fait des gens qui sont placés dans le public là. Deux consensus pour expliquer tout le monde ça. Nous savons en réalité, vous seul le côté qui a vraiment influencé la politique de décision par rapport au pays, c'est l'heure des élections. Or, bon haine, bon laïcement de l'élection, a été élection parce que son bagage immatériel, pas un objet, parce que son un mode d'organisation sociale, ou parce que c'est un bagage qui est venu détester pour faire mal. Mais en réalité, si sa élection est chargée, il est chargé. Et ont capacité que ce peuple a gagné pour être capable d'entrer, pour être capable d'influencer sa capacité. Or, c'est ça qu'il faut avoir une élection. Par exemple, vous êtes un, monsieur aura une élection, il a besoin d'élection, depuis l'élection, c'est ça pour dire vraiment tout le monde, c'est ça pour faire le plus beau crime. Alors que tout le monde besoin de diriger, tout le monde besoin de prétendre de choisir, tout le monde besoin de faire accord, tout le monde besoin de faire confiance sur l'âge dans l'âge. Mais le meilleur accord qui soit, c'est l'accord qui implique tout le monde. Et quel est l'accord qui implique tout le monde? C'est l'élection. Donc, je veux dire, on est comme si on cherchait une bonne façon pour aller vers l'élection, mais d'où que les conditions ne sont pas réunies, on n'est pas d'accord entre nous. Mais d'accord entre nous, malheureusement, il n'y a pas été. Et non seulement que par là bien, bien même les petits soeurs qui n'ont pas ni voix, qui n'ont pas ni relais, ni réponse, qui d'accord avec les qui ne pourraient pas l'élection pour nous. Conditions ne sont pas réunies dans l'élection, au nom de toi, bien sécurité, mais d'accord que ce monsieur X, qui a parlé de la radio tout le temps, qui a fait le discours et qui l'a choisi pour qui est-ce qui va le président, qui l'a choisi pour qui est-ce qui va le premier ministre, qui l'a choisi pour qui est-ce qui va le sénateur. Écoute, est-ce qu'il est possible pour parler et pas parler dans le casse là? Ah, ok. Ou pas besoin de parler dans le casse là pour sous-capable ce type. D'accord. Continuez. Oui, ok, c'est parfait, désolé. Non, même vous êtes bon haine. Gros consensus entre élite et monde politique en Haïti pour montrer que nous avons M contre l'élection, mais M contre l'élection en réalité, c'est M contre le peuple là. C'est M contre masse là.
Et c'est même politique ça qui est développé en Haïti, je veux dire, nous, contexte démocratique, protéger effectivement la population rajoutée. Et bien, parce que ça, vous connaissez, soit les peuples qui sont pour soi, soit pas bon, ou bien les peuples qui sont pour soi, soit pas bon, parce que non, on ne peut pas faire une transition, on ne peut pas avoir un peu nous, on ne peut pas partager un peu nous. Donc, je veux dire, c'est volonté, ça ne pas les accords, parce que accord, c'est du tout une opposition à Jovenel Moïse. À ce moment-là, il suffit de pour dire que c'est son accord avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse parle encore, mais tout ce qui est d'accord avec Moïse, c'est pas d'accord avec Jovenel Moïse. C'est d'accord avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse mourit, je suis Jovenel Moïse, qu'on y a pour faire les d'accord, c'est de l'élection de Tatarek. Parce que l'élection pas possible avec Jovenel Moïse. Mais Jovenel Moïse n'est plus. Votre élection devrait être possible. C'est ce que je veux dire, insécurité, c'est plus Jovenel Moïse. Jovenel Moïse n'est plus. Donc, il y a un dernier problème en face. Nous essayons de faire des problèmes, des sécurités, des problèmes de vie, des problèmes structurels, pour que nous renforcions la police, pour que nous renforcions l'armée, pour que nous renforcions l'appareil de l'enseignement, nous. Mais tout ça, pour que nous renforcions la légitimité, et que le genre de monde a la légitimité pour l'élection pour l'année. Ma vie, je dis à ma présidente encore. C'est que le premier ministre Ariel Henry, qu'on soit le seul, pour organiser l'élection, par exemple la sécurité, organiser l'élection. Et si le premier ministre Ariel Henry sorti, il n'est pas dans la situation pour organiser l'élection en Italie, il ne va pas faire accord avec Ariel Henry. Il va faire accord entre tout le monde et Ariel Henry. Puisqu'il n'a pas organisé l'élection, c'est pour ça le défini. Donc, tu fais un aveu des compétences, tu l'échoues. Donc, c'est à la situation. Donc, je veux dire, faut que nous mettions cette main sur les épaules. Faut que le ministre Ariel Henry pas attendu, on ne peut pas faire des gens qui vont faire la veille, il y a une seule mission. Nous ne pouvons pas faire élection, eh bien, le monsieur, nous ne pouvons pas faire élection, eh bien, je ne dépasse pas la dépasse, nous ne pas facile, nous obligez à aller. Nous ne sommes pas d'accord avec Ariel Henry. Si Ariel Henry parle là, eh bien, nous passons à quoi, nous sommes dans une position, nous avons tout le bagage. Nous Ariel Henry lui-même, il y a une seule mission, organiser l'élection. Nous pouvons essayer de faire comprendre, et puis comment ça va faire autour de l'élection pour faire accord. Bon, Renaud Luberis, vous faites office de secrétaire général, conseil des ministres. Donc, conseil des ministres, dans la Constitution, on prévoit que les présidés par le président de la République, là, si vous permettez de dire comme ça, il faut en tirer du volume pour nous. Les présidés par le président de la République, là, mais là, il parle là, c'est le premier ministre, là. Et ça arrivait que vous parlez avec Ariel Henry déjà, et que nous prévoyons faire des conseils des ministres dans le palais national, puisque s'il ne fait pas dans le palais, ou même qui est secrétaire général, ou pas là, pas un président, donc la plus semble un conseil de gouvernement qu'un conseil des ministres. Et ou même tout, si pas jamais un conseil des ministres qui fait dans le palais, est-ce que les ça tout, nous sommes capables de dire, ou à jouer au rôle, ou à pas un président de la République? Bon, merci. Et d'abord, c'est une belle question. Effectivement, conseil des ministres là, le président parle de manière exceptionnelle et c'est le ministère qui dirige. Mais le fait à tout, pour le ministère, il faut entrer tête ligne dans l'article 149 constitution. Parce que nous, ça va continuer tout ça, que ça va vendre. Seul jour que nous avons président du conseil des ministres, il faut d'abord pour l'entrée tête ligne dans l'article 149 constitution, pour l'entrée tête ligne dans l'article 149 constitution. Ça n'est pas bien. Combien? Si pour le ministère de son conseil des ministres, et évidemment, et même si je ne suis pas d'accord avec elle, je dis que nous devons faire le bagage dans le code du jour, je ne suis pas d'accord, on va mettre le quand même. Vous comprenez? Parce que nous devons. Je ne peux pas faire opposition à votre ministère en fonction de ce qui est le conseil des ministres. Si pour le ministère, il y a un pouvoir là, je dis que nous avons un conseil des ministres à l'extérieur, je dis que nous devons excuser Mato, excuser Mbal, excuser Mbali, excuser Mbali, nous devons aller. Je ne peux pas faire le conseil des ministres pour l'extérieur. Mais au-delà de la question, ce que tu as dit dans le conseil des ministres, moi, je ne peux pas comprendre que tu n'as pas les contrats, donc on va tenir avec un poste, ce que tu as dit dans le conseil des ministres. Si vous me dites, moi, on va me dire, c'est le signal à la Timbrelle, ma petite mon cher, il faut entendre le Batman. Nous ne parlons pas des deux pays, je ne parle pas des contrats pour le monde qui s'est engagé avec un président qui a assassiné en fonction d'une ville. Je ne parle pas en tant que monde qui pensait que Haïti, nous devons agir, il faut lui donner justice. Et pour lui donner justice, il faut que nous pensions que nous, que Jovenel Moïse est sur ce canal. Nous, qui sommes dans cette section communale, qui condamnent, même si c'est interdit, ça va fonctionner, mais ça va ralentir le côté de l'Ontario. Mais nous condamnons tous les droits humains de l'eau. Nous avons coûté du beau. Nous ne pouvons jamais rien, parce qu'on va avoir un bon nom, on va sur le bon côté, on va avoir une bonne origine sociale. Pour nous, Jovenel Moïse, c'est Jovenel Moïse.
Et pour nous faire une justice, il faut que nous ne décider qui est-ce qui va le diriger. C'est pas un mec qui peut décider quelque chose, parce que nous devons faire une telle ministre à son temps, nous devons faire une ensemble, et nous devons faire la justice pour le pouvoir, nous devons faire la justice pour le ministre. Quand nous avons trompé, on parle de problème. Le peuple peut toujours se tromper, mais il peut toujours permettre au peuple de se tromper. C'est même pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment la fonction de secrétaire général du Conseil des ministres. Quand tout le monde a donné la main pour garantir que nous avons ça, m'a fait exactement tellement de faire. Mais si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et si c'est le matin, le titre, je dis que Koumi a mouché, en mettant les gens en loi, en noir pour le bagage, il y a une compensation. Monsieur m'a dit, ok, nous compensation, nous pas avoir encore. C'est une question de poste. Il y a une ligne n'a pas été formé pour occuper un poste par national, pour un poste dans l'État. Non, il y a une ligne a été formé pour avoir des idées, une vision et un certain esprit de la vie. Et c'est ça la plus grande question, nous avons cette liberté. De tout, que ma toujours bien, que bien ma toujours bien, peu importe la situation politique. C'est notamment je ma toujours bien, de tout ça, parce que je pense que le plus important, que n'importe qui qui pense que bon, si pour ça, il ne peut pas travailler trop fort, pour ne pas fâcher, si vous n'avez pas fâché, vous avez dit, mais on n'aime pas d'accord avec ce que vous n'avez pas d'accord. Et c'est ça, donc je pense que le mieux pour ça, c'est de l'infantiliser, mais pas de bataille. Bon, et nous posons question, puisque. Et tu as un conseil des ministres qui t'a fait le fait et que tu as un point que tu as ajouté là-dedans, il y a un point 7 que tu as mis le conseil qui t'a demandé pour faire retrait de. Et arrêter ça. Décret sur Alien. Donc, dans tout journal, dans toute nouvelle, donc il a annoncé que Ariel Henry perd dans le premier manche, Renal Liberis, l'homme fort du Palais National, parce que je trouve qu'on est comme ça, le Jovenel Moïse était là. Donc, pendant que Jovenel par là, c'est toujours été homme fort. Moi, je trouve un homme fort du Palais National. Et je pense que tout ministre, tout premier ministre, tout va surveiller qui Jean Liberis a parlé de vous, parce que depuis Liberis parlait bien de vous, ou que bénédiction, mais si Liberis font sortir et que la pape marche bien pour vous, et mon cher, la pape passe bien. Et qui j'en, est-ce que vous comprenez avec Ariel Henry ou bien qui j'en ouais monsieur comme premier ministre par rapport à la réalisation de l'élection? Bon, alors nous comprenons pas mon père, bien vous connaissez que t'as pas mis exagéré dans ce qui a écrit ou bien dans ce qui a dit, j'ai un talent sur le monde et non sans ce que l'autre. Donc c'est pas ça qui comptait, c'est un accès à qui comptait. Si nous étions, tu viens de mon problème avec Ariel Henry par le premier ministre, ou de l'autre. Raison dans son texte nous est là, il est probable pour le président à nommer pour le ministre de Tiscaclis et nous puissions poursuivre avec le président à nommer pour le ministre en même temps. Deuxièmement, c'est moi-même qui suis président du Conseil des ministres, c'est moi-même qui tenais tout dossier à Yolande moi-même, c'est moi-même qui m'a mobilisé et voyé et arrêté sans se nommer à Yolande dans mon leader sans président pour le même signe. Donc, on a fait un dossier. Si vous avez quelques objections, vous allez voir. Et le Ariel Henry, Martin Maurice, c'est moi-même qui bâille commune et juridique qui ont pour ta zone au moyen pour permettre que Ariel Henry installé avec le gouvernement parce que ce n'est pas évident. C'est un bagage inédit, c'est qu'on n'est pas en fait ça, sous constitution 87, en tout cas, sous constitution 87 à Mandela. Et nous, Ariel Henry, c'est un monde qui est très poli, en tout cas, et en conversation que nous avons avec lui, parce que c'est un monde qui est très respectueux. Donc, il n'y a pas de problème personnel, au contraire. Au contraire, il n'y a pas de problème personnel. Mais là, on est en train de parler de problèmes politiques. On dit que M. Ariel Henry n'est pas capable d'annoncer une donnée qui doit être viscérale contre l'élection. Et que M. Ariel Henry dit qu'il faut conclure qu'il y a une transition illimitée. Il faut conclure qu'il y a un pouvoir illimité dans le temps, qu'il y a fait son accord pour conclure avec le ministre, pour mettre le président, mettre le premier ministre, jusqu'à ce que les conditions réunies pour faire l'élection aient exactement 52 ans. Donc, nous avons ça, c'est des gens, évidemment, qui ont payé même mon coût et qui l'ont donné à soi, parce qu'on a été sorti. Donc, nous disons que je ne veux pas oublier que c'est une commission et c'est de respecter les mémoires présidentes que nous avons présentées. Et qui nous a présenté ce qui nous présente la liste. Nous avons la liste pour faire constitution, élection, sécurité. Or, première action pour les ministres de l'Affaires, nous devons retirer Annie. Qui ça Annie? Annie, c'est une autre complexe de dire à côté que l'appareil d'enseignement du pays a éclaté. On gagne un petit article à l'intérieur, un petit article à la justice, un petit article à la primature, un petit article à la palais, un petit article à l'ingénieur. Donc je dis en une situation côté que
en fait, quel que soit le monde qui est détruit dans le pays, il y a un petit dernier mois, et ma confusion au bagage. Parce que je dis que c'est comme du monde merci, si je suis à côté d'un manager, vous parlez pour ça. Parce que je pense que c'est parce que dans lequel on est pour voir la police tellement pas rentrer dans la situation pour stopper que les États-Unis ont tué n'importe quoi. Mais si nous allons plus en plus loin, c'est que bandit qui sont à l'extérieur, terroriste qui sont à l'extérieur, je veux dire, ils ont venu, ils ont planifié les postes qui opèrent sur ce territoire, et puis personne ne va connaître. Nous sommes tous président de la République. Or, c'est pourquoi ça passe. Parce que nous avons des machines de renseignement qui viennent rouler, qui sont capables de contrôler, qui sont capables de passer, qui sont capables de passer sur ce territoire. Qui est-ce qui se passe dans le temps en Haïti? Sous Jean-Paul Duvalier, sous François Duvalier, il s'est quitté en fait aux machines de renseignement, même si on utilise à des fins politiques. Dès qu'on utilise le groupe pour être quitté aux opposants politiques, nous, d'accord. Première, la boutade de final, en tant que peuple intelligent, nous avons supposé, pour une institution pareille, et pour être une institution, et quand il y a des gens qui ont 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 des leçons politiques, nous qui participent la donne. Nous faisons la génération d'Ariel Henry. Qui ont participé à craser toute institution qui vient après du Daniel. Parce que nous avons besoin de démocratie, nous avons besoin en fait et la gloire d'Haïti. Mais aujourd'hui, la gloire est très loin de nous. Donc, si on nous met déjà fait l'État, nous avons dit Agnès parce que Jovenel Moïse a besoin de nous pour persécuter opposants politiques. Jovenel Moïse, il mourit. Et puis, le gouvernement même pas le coup de conduire, il peut persécuter le monde, mais ce n'est pas à nous. Donc, on est à ce que nous avons le sens de l'État. Le minimum qu'on attend d'un Haïtien, le minimum qu'on attend d'un dirigeant, c'est d'être directeur en nous force à nous, en nous mettant au directeur général, ça va aller beaucoup de gens pour les jeunes, mais en faisant en sorte que nous, on machine de renseignement en Haïti, qui va permettre de protéger déjà, protéger l'État. Or, on nous a bien nommé, première action de l'État, nous devons se trouver. Or, si des gars n'y savent pas marcher, je vais vous faire un peu de travail. Donc, pour qu'on ait, si on se sent ça, mais dans le pays, ça dit non. Ou que mettre Dieu, ou que mettre pape, dans le pays, ça dit non. Et non, ce n'est pas nous parce que nous parlons, ce n'est pas nous parce que nous parlons encore, c'est nous, au nom des principes, au nom des idées qui guident mes actions, qui guident mes prises de position. On peut parler, de quoi cette place était salée. Donc, on ne peut pas aujourd'hui affaiblir l'État si nous voulons davantage. Il faut nous joindre en situation qu'on dépend de notre fil. La police a mal marché. Il faut nous renforcer la police. La meilleure PACA aide-nous à écraser les bandits. Pour nous, nous avons moyen pour nous donner la meilleure pistole. Nous sommes dérivés de droit, vu qu'on nous explique un bloc bien là. Donc, on est en face de ce problème, peut-être que parfois, pour des raisons politiques, politiciennes, nous passons les bonnes décisions, et puis après, nous sommes en doute, nous mourrons, nous devons regarder, nous disons à nous déconner, nous sommes en train de nous dire. Aujourd'hui, après la nouvelle, j'ai des décisions pour acheter que nous supposons compte, peu importe conséquence, ça bien. C'est ma position. Mm-hmm. Bon, et en faut que nous allons parler, parce que nous parlons, ou c'est secrétaire général conseil des ministres, et sans président, nous parlons à secrétaire général conseil des ministres, gen chef cabinet, gen secrétaire général là, secrétaire général parler. Et est-ce que ça arrive dans la discussion politique qui a fait, dans l'envoi spécial que Nations Unies ou bien pays États-Unis voient dans le pays d'Haïti et que yo prend contact avec yon nan nous dans palais et pour yo parler avec nous et si yo fait qui ça ou dit nous de qui ça ou parler avec nous bon, ça tout nous connaît bien et en cours c'est que par l'heure yon administration son institution bien payé organe madame de notre marché par exemple et si je rentre dans le scoop si l'émetteur de couple a tombé ou bien SPL ou bien scoop de madame ou pas car non on fait du personnel mon scoop capte une majorité notamment ménagère et on l'aide qui peut assurer le petit on peut fixer mon agent après pour lui monter le cas et là on fait du personnel même si ma pas venu val compagnie et le journaliste pas venu on peut monter du personnel clé le minimum d'approvisionner là c'est comme ça lié c'est même pour parler. Parler à Jodia, ce que des gens prennent dans cela. Ça t'a dit pas parler. Parce que parler à des quand même plus passé, peut-être mille mondes, on t'a même plus, bien plus, mais nous là, parce qu'il y avait un appareil. Quand tu as des problèmes policiers, tout ce personnel, donc il peut passer mille mondes. Secrétaire général, secrétaire général qu'on fait des ministres là, c'est un organe qui a de nos paquets fonctionnaires. Et du sens que par dépendre de l'existence du président de la République là. Donc le secrétaire là, il y a qui travaille sur
soit des textes et des vidéos de projets ou des textes normatifs. Nous, là, si par exemple, nous avons un texte à chercher la Kenya, là, c'est une unité qui est archivée, texte secrétaire général, c'est le notamment pour chercher, on va envoyer mon conseil verbal, etc. Le conseil de mon qui là, c'est toujours notre travail. Donc, encore aujourd'hui, on nous cadre de que à 649 là, ça a été activé. Même si nous sommes tous les constitutionnels liés par rapport à des gens pour une carrière du jeu pouvoir. Donc, pour comprendre, c'est que je dis à conseil des ministres, quand on fait plus utile que jamais, puisque je dis à mon fonction collégiale qui est exercée à travers du conseil des ministres pour être capable de suppléer avec absence président. Donc, c'est le deux cas. Maintenant, on est conseiller président, je dis à ce que ça va le parler. Parce que nous sommes conseiller président, on ne vient pas là. Donc, il y a des gens qui sont liés directement au président, il y a d'autres gens qui sont liés à l'administration du palais. On regarde pour mon prédécesseur. Mon prédécesseur, on peut le faire quasiment n'importe quel 3 ou 4 pouvoirs. Et jusqu'à ce que jusqu'à Jovenel Moïse, qui est secrétaire général du Conseil des ministres, c'est moi qui viens remplacer pour lui. Parce que le secrétariat général du Conseil des ministres, c'est une institution qui continue, même le président parle encore. Tout ça lié, de même évidemment par rapport à la position politique, moi par rapport au fait que nous sommes visagés publics, etc., c'est sûr que nous ne pouvons pas faire notre secrétariat général du Conseil des ministres et à quelque sa situation. Ça, il est sûr que le président pour vous la Kounia là, il va parler de nous. Ma patrie. A partir tout de suite, pourquoi ça ne partit tout de suite? Parce que l'écouteur a conviction moins, mais parce que là, c'est l'élection monde, c'est pas prise pour vous mettre. Mais si j'ai dit à la Gopo Réunie que Jovenel Moïse s'est nommé ou c'est d'accord. Je vais pour une partie de ma gueule. Maintenant, si demain matin, Ariel Henry fait un rapport politique, il faut que les gens qui pas entrer dans le cadre de sa constitution en vie, et ça, et loi, et ce qu'on fait des ministres, ça dit. Je dis, Ariel Henry, et mon bon ami, bataille. Donc, c'est la réalité, je dis, même si ça n'est pas là, je dis, demain matin, si nous faisons le bagage, on dit, on libère notre propre ville. Vous comprenez? Donc, nous essayons de cohérence, pour nous faire une cohérence par rapport à ce qu'on a dit, c'est que nous avons respecté pour tout ça, fait que nous avons quitté nous. Par la veine, que tout le monde bagaille, parce que nous connaissons une ligne à suivre, et sous garder pour tout. Bien égal, qui a été le Moïse, a gardé pour tête, nous avons écrit en 2007, 2008, bien évidemment, les pouvoirs à l'aller, ça nous connaît. Mon petit préval, qui est élu, qui est le mandat, qui n'est pas d'accord avec elle, en nous assassiné l'élection. Mais nous sommes opposés à l'élection. Donc, nous avons ligne, nous avons but, et nous tendons par rapport à l'exposition politique. Nous pouvons penser qu'un monde nommé, il est moins légitime qu'un monde qui fait l'élection. Peu importe des saillants qui viennent dans niveau machine électorale là. Il me suis toujours été cohérent par rapport à ça. Ça n'est pas ça qui va le faire de mon nom là pendant que je suis pas et qui porte mon côté légitime, parce que les gens qui sont jours, l'autre qui fait mon élection n'est pas légitime. Mais dit que je veux dire par exemple du sénateur en bas, du sénateur en bas, il y a plus de légitimité que les potes qui n'aident que nos mêmes ministres, mais n'importe là, parce que je fais élection. On a dit que nous pas bon, on a dit que le soutien, on a dit que le pays est bon pour voter. D'accord, nous sommes parfaits. Mais nous, qui sommes en élection, nous sommes plus nous de la relation que nous sommes nous-mêmes. C'est pour nous sommes qui nous tiendons. Et nous, exécutif, sans président, et où sont nous nommés, Ariel Henry, sont nous nommés, même les amis, c'est un petit problème d'ampliation, puisque nous ne sommes pas gagnés dans le président va être en signe pour nous, c'est un copier à Namel, mais c'est pas gagné. Et dis-nous, non, bien, 10 pays pour nous comprendre. Parce que si le Premier ministre là, mettez dans le menu, dans l'ordre du jour là, qu'il pral faire retrait de un décret, et ou même, ou qu'a exprimé désaccord au point que, et il y a des ministres qui défendent point ça, et puis le Premier ministre là, tout campé sous lui. Et aidez-nous comprendre, non, qui force ou politiquement comme secrétaire général conseil des ministres en l'absence du président par rapport au premier ministre. C'est pour parler d'agal en termes de force et politique, pour en termes de politique et qui marchait dans l'idée. Pour regarder pour en termes de nous qui n'a pas. Pour l'instant, le conseil des ministres est obligé d'accord à une décision que le premier ministre prend. Maintenant, pour regarder pour en fait une liberté que nous-mêmes avons gagné par rapport à ce que nous avons. C'est une loi du public que nous ne sommes pas d'accord. Et que ce soit une liberté mienne parce que c'est Ariel du premier ministre. C'est une liberté mienne parce que c'est quelque chose que le premier ministre pour nous dire pas d'accord. Et nous devons cultiver la liberté. Donc, je veux dire, ça a toujours gagné et mes amis. Heureusement.
que ça m'a dit, c'est pas un ancien de ceux qui sont battus, mais bien en réalité, c'est des ministres qui comprennent, qui d'accord, et que ça nous d'accord ensemble, et bien notre ministre, ministre, qui d'accord tout que le premier ministre ne devrait pas agir ainsi. Président n'a pas soutenu le premier ministre, ou le président, ou le premier ministre, grâce à sa bonne légitimité, premier temps de notre s'écraser et action président des points. Admettons que vous êtes de notre action président des points pour ça. C'est mon bagage pour vous, ça fait. C'est comme que cette organisation d'élection rapide, et bien assurer que vous êtes tout président des points, c'est pas de bon en Parlement. À ce moment-là, c'est le parlementaire qui est capable de faire ou de modifier en termes de décision. Je dis à la première ministre, pour qu'on dise qui est Daniel Lixon, on va dire qu'on va l'accès à l'été pour convoquer le peuple en fait ministre, mais pour une page et projet pour faire ça sur notre bagaille. Donc, pour le ministre, il a besoin de dire que privé là, mais sauf que privé lui-même, il était quand même élu au second degré par une assemblée nationale. Donc, la privé est venu de notre bagaille, sauf que ça a déjà compté à l'élection. À ce moment-là, nous sommes campés en face, même si nous avons une légitimité. Je dis à la même si vous avez une fait un rapport avec 100 millions de monde, nous n'avons jamais une légitimité au monde de l'élection. La seule légitimité que nous avons fait grand dans l'histoire, c'est pour faire l'élection tout de suite, pour dire au moins que nous devons parler. Même si vous avez besoin et pour ne pas faire ça, c'est parce que vous êtes minuscule devant l'histoire, vous dites que vous avez besoin de combien de ministres, de combien de mais au moins, nous allons aller à l'école, nous allons pour le pays et pour la stabilité du pays. Alors je dis à quel que soit fait pour mettre ça toutes sortes de promesses pour que lui-même il a dit que pour le pays, pour ma crédibilité, pour mon parcours personnel, j'ai un engagement. C'est de créer les conditions pour organiser les élections d'ici la fin de cette année. Et de quel que soit mon dossier pour le premier, c'est pour dire que c'est là ma côté. Et je me dis encore, toutes les cadres de conditions pour réunir pour organiser les élections sont pas cette dossier. Parce que entre les conditions réunies pour acheter dans son dossier, la preuve, ça va être le président, c'est le premier ministre, c'est le premier ministre, c'est le directeur général. Donc c'est un cas de l'enjeu, c'est une élection, qui soit être la carte de la donne. Qui peut être la cabaye d'île, qui peut être la cabaye du zone, et comme son pays est devenu, et que nous détestons. Nous détestons que nous sommes dans la masse là. Nous détestons que nous sommes dans notre situation, même dans la zone. Nous gardons de haut, nous pensons que nous sommes passés, de nous parler de participer. Et chaque mec qui a voulu pour une élection, c'est parce que son ennemi, il y a eu mon pauvre. Et c'est nous qui sommes avec moi, avec papa et moi. Nous sommes avec frère, nous sommes avec cousin. Parce qu'on ne peut pas parler là-dedans, nous sommes là, il y a eu cousin et cadet. Bien, parce que passe trop classe. Comme si nous voulons qui permet de faire des familles, qui sont nous, qui sont même dans la catégorie de détestés. Moi-même, dans le délire, c'est tout ce qui serait moyen. Je suis jamais d'accord pour les gars de cette preuve, ça vous n'importe quoi, et pour dire que c'est moi-même qui ai des finités pour choisir nous. C'est moi-même qui ai des présidents, nous ne sommes pas là, c'est pour nous, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas cassés dans la place. Nous avons besoin de privilèges, nous connaissons que finalement l'élection n'est pas votée pour nous. Et bien, nous besoin, comme nous avons besoin de contrôle, machine administrative, pays, pour nous permettre de faire du groupe de peuple, nous disons que nous avons une élection. Je dis à Ariel Henry, bon choix. Soit là, j'ai un peuple, c'est-à-dire que vous organisez une élection pour le peuple, si vous déterminez pas de tel monde, ou bien vous êtes avec des obligations, puis tu es président, à ce moment-là, tout le monde a compris, mais c'est quand le campé. Si c'est allié, c'est pour ça que tout le monde qui croit, mais ça m'a bien, c'est pour ça que nous bien. Moi, j'ai une dernière question avant où aller, Renal Lubéris. Jodi, par rapport avec contexte politique, là, si vous t'a gagné un message que vous avez fait passer qui a un rapport avec enquête cap menin sous assassinat président république là, et vous voyez le dossier en bas en juge, en pile monde a des inquiétudes, est-ce que le président a besoin de justice, est-ce que le pape a besoin de justice, comment vous même vous comprenez ça? Et qui message vous pour vous, ensemble de monde qui a mené enquête sous dossier ça, pour permettre que vérité blaye et aux joignes monde qui finançait opération ça. Merci beaucoup, les campagnes. Je pense que le contexte institutionnel et social là est difficile. Je pense que gagner deux mondes et deux gros responsabilités devant l'enquête à la première, à l'enquête haïtienne. Ou gagner l'injustice là, ou gagner le premier ministre là. Je suppose bah, juge que le doyen choisit le dossier, il a même dit que le doyen tout le monde peut le choisir, le doyen a une responsabilité partout, c'est qu'il choisit tel juge d'instruction de ce dossier. Donc la primature, et c'est là pour nous suivre pour le ministère, il y a aussi mon plat fait qui coûte le temps par rapport à la façon. Donc la primature, le juge d'instruction, nous sommes égalités pour Charles de Ville, m'a prédité, parce que nous sommes la donne 100%. Donc il baille
et juge d'instruction un moyen nécessaire pour mener enquête en toute autonomie pendant nous-mêmes la vie. Faut que nous bâtions policiers nécessaires, machines nécessaires pour capables mener enquête en toute autonomie pendant que nous-mêmes peuple la vie. Faut que la communauté internationale là, et branche internationale, en fait là, il y a deux dimensions. Nous dimensions proprement nationales, nous avons un branchement international. Faut que la communauté internationale là, participe et aide-nous. Notre branche internationale là, de ce que nous gagnons et lumière, si vous voulez, qui est qui commanditaire, qui est qui opère, qui est qui coopère, pour nous connaître par exemple, je dis à GE et CPU, nous connaissons qui participe dans le financement, monsieur parle anglais avec nous, jusqu'à présent, nous pouvons arrêter bien. Pour que les Américains nous aident, nous ne pouvons pas faire. Donc, soit son terroriste qui fait depuis le territoire des États-Unis, nous pouvons arrêter pièces négligées du territoire américain qui utilise de l'Amérique. Qui utilisent l'infrastructure de l'État américain pour être capable d'assassiner le président pays d'Haïti de pouvoir arrêter. Il faut que nous disons, dans l'information salariale, qui s'accède pour pouvoir arrêter, nous qui soit disant du que c'était utilisé pour financer terroristes et les actions terroristes en Haïti. Nous-mêmes, pour la place, nous sommes réactifs, comme tu veux, tout le monde va faire bon au monde. Tout le monde qui va répondre à la demande de justice pour le président, pour nos intelligents suspectés. Tout le monde qui va répondre à la demande que. Il faut gagner justice là, il faut qu'il y ait enquête là dans une dimension internationale, il faut que nous soyons suspectés. Donc, chaque nouveau Ariel Henry a fait, il faut que nous soyons suspectés. Parce que pas oublié, le président qui nous nomme Ariel Henry, 24 ans après, il a assassiné. Badio, inutile. Ariel, ancien inutile. Colioni, premier ministre du mandat présidentiel du 7 février 2021, il a accusé. Parce qu'il a accusé que coupable, on peut que les présomptions d'innocence. Oui, mais premier ministre Ariel dit Badjo pas qu'à faire ça, non? Premier ministre dit Badjo, premier ministre Ariel dit dans le micro nous, Badjo, Joseph Badjo, pas qu'à assassiner le président. Et au-delà de toute information que Badjo a fait mais qu'à notre président, mais premier ministre dit Badjo le connaît, pas qu'à faire ça, et le pas qu'à financer ça que fait là. Salut, bon, ça tout va résoudre l'enquête là. Oh, pour que le ministère ait été dit, pour que le ministère ait pas supposé entrer dans cette enquête-là, pour ne pas avoir l'impression qu'on a fait obstruction à la justice ou bien arrêter, orienter l'enquête-là, nous sommes pour l'autre. Je dis à Peppa ici, c'est pas Jovenel Moïse comme personne physique qui l'a assassiné, non? À travers quoi Jovenel Moïse a assassiné nous, standard Jovenel Moïse, là. À travers quoi Jovenel Moïse a assassiné tous ces nègres qui viennent de Moïse, qui sont allés avec Jovenel Moïse, ou qui sont allés dans le ghetto, qui sont allés dans le paysan, oui, qui sont allés dans le ghetto, qui a bataille, qui a battu le Québec, à travers le Jovenel Moïse, qui a assassiné. Il a admis que le Jovenel Moïse n'est pas beaucoup nous, admettons que le Jovenel Moïse n'est pas beaucoup nous. Mais depuis longtemps, avant que le Jovenel Moïse n'est pas beaucoup nous, il a admis que le Jovenel Moïse n'est pas beaucoup nous, il a admis que le Jovenel Moïse n'est pas beaucoup nous, il a admis que le Jovenel Moïse n'est pas beaucoup nous. Je dis à son sujet, qui est ça empêché en cette là à boutique. Pour nous suivre, nous qui disons pour le ministre, nous qui disons pour le ministre, nous qui disons pour le ministre, et c'est pour nous suivre bien parce que Jovenel Moïse n'a pas mourir pour ça. Et justice pour Jovenel Moïse de tout ça. Justice pour Jovenel Moïse de dit pour nous connaître exactement qui est qui a assassiné Jovenel Moïse, qui est qui peut assassiner, qui est qui peut conseiller, mais pas plus loin en place là. Justice pour Jovenel Moïse, je dis tout ça. Je dis que demain, tout le monde peut pour nous haïssons, par la banque, avec un projet, pour ne pas refuser de prêter lieu en fonction de couleur de poule, en fonction de notre famille, en fonction de l'origine sociale. Justice pour Jovenel Moïse, je dis que quelque soit haïtien qui décide d'entrer en Haïti avec un conteneur, pour être la même quantité avec tout le monde, peu importe couleur de peau, peu importe l'origine sociale. Justice pour Jovenel Moïse, je dis que condition égale pour tout le monde. Pour tout le monde gagne, pour réussir en fonction de mérite, nous en fonction de pièces qui n'ont pas, qu'est-ce qui n'a pas, nous en fonction de pièces qui pourraient être pour le gagner. Justice pour Jovenel Moïse, je dis qu'il fait, sont ces jeunes intelligents, qui font par exemple dans la roue, dans la saouba, eh bien, pour être capable de même si vous réussissez, pour ne pas condamner, peu importe l'intelligence avec un bras ou avec un compte du gouvernement, parce qu'il va tout de côté. C'est ça que ça veut dire, et c'est ça qu'on va résoudre. Et c'est tout ça pour une bataille. Je ne pas que tout le monde qui bataille tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a bataillé pour une ministre, pour les ministres, pour le directeur général. Nous ne sommes pas dans ce bassin. Nous sommes dans ce bassin. Nous pensons que nous ne sommes pas des ministres pour réussir en Haïti. Nous pensons que nous ne sommes pas des directeurs généraux pour réussir. Nous sommes tous en bon choisir au carré ici. Et quelque chose de bien pour le financer, peu importe pour le repos, peu importe pour le jeu de salon. Pour s'allier, c'est pas ça, pour nous faire ça, pour nous faire ça, pour nous faire ça, pour nous faire ça. Bien. Merci en pile, Renal Lubé, sans souhaiter accepter les bonnes questions.
Merci beaucoup, merci, merci, beaucoup, merci, 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 c'était énormément même ma côté soit vous n'avez pas parce que vous avez passé ma tissant et pour l'avoir commencé aujourd'hui à l'idée de ce journal vous ne connaissez pas le journal monde c'est pas réel en vie mais pour vous être ensemble pour nous vous comme garder pour qui côté dans Dieu et sorti ça crée dans Dieu dans tout ce qui est alimenté pour nous capable de penser que je dis et tout le monde tu es tout ce que vous avez d'accord. D'accord, très bien, merci en pile mesdames messieurs. Donc c'était Renal Le Béris qui t'a répondu à la question. Donc nous pourrons gagner. Il y a l'autre invité, mais il y a un auditeur qui m'a demandé pour essayer de poser cette question. Si docteur Ariel dit Badjo pas qu'a fait crime ça, pas qu'a fait bagage ça, si Badjo t'a arrivé dans le téléphone, étant donné que le mandat ou avis de recherche d'elle, est-ce que le premier ministre a dit peut-être venir par la justice, puisqu'il n'a pas qu'a fait bagage ça, ou bien l'abdil entrer pifon. Comme bagne réponse sans auditeur, poser question et puis chercher réponse sans. On moun qui dit ou pas qu'à faire un crime et la justice a fait jour et ou pas qu'à joindre nous. Si ou est dans le téléphone, est-ce que l'abdi ou rentre pifon ou bien peut-être ou bah la justice? Bagne réponse sans, poser question nous et puis la jeune et puis devant ma cour. Bon, les cas, je dis, mettre bail tête ou parce que. Pas quoi qu'a fait ça? Quoi qu'a fait ça? Donc, hein? Pas de preuve. Ah, mais c'est pas bien preuve. Vini. Et montrer que pas de jambes dans le bar là. Mm-hmm. Parce que c'est sale. Et dit à l'oïdil. Ok. Donc, tu dis à tu n'as fait. Alors que c'est donc, moi, mon groupe député mon groupe député qui voit une proposition, il va y bien, non? Ok. Mon lettre. Et ma regardé si n'était qu'à fond de parler. Il y a au moins l'île tout à l'heure. Allô, voilà. C'est moi, mon groupe député. Allô, vous allez à Ariello? Qui ça? Pourquoi vous avez des abonnés? Qui ça? Pourquoi vous avez des abonnés? Allô, vous allez? Oui. Nous avons dit que vous avez un gouvernement de consensus. Vous avez les gassettes ou bien je sais pas qu'on est, non? Ah, ok. Et ma prête à tourner sous l'île, parce que nous restons dans Lucas. Il y avait nous là, sous l'île, non? Monsieur Guélain, quelque part, il vous l'a dit. Nous allons faire un petit peu d'accent. Et puis, nous avons fait une émission, nous allons regarder si ça nous a dit qu'il y a une lettre, groupe député Zayo, Hippolyte. Et Jean-Louis Jean, où elle est ça? Hippolyte, Jean-Louis Jean, et puis... Et vous avez dit... Député Price, Alfredo Tadeuladan. Alfredo Tadeuladan. Oui, Tadeuladan, mais quel est le trois mondes oxyen qui fait partie de ce groupe-là? Qui ministère, vous m'avez dit là? Il va avoir des ministères. Non, ça va. Il va avoir des ministères. Il va avoir des ministères. Vous chabrak, ça va du bois là. Qui direction générale? Il va avoir des gouvernements. Consensus. Le consensus. Ok. Okay. Après, et de nous faire élection. Ok. Et au moins de tout, vous avez l'autre conseil électoral. Ah, ok. Bon, nous allons aller à la liste. Nous allons aller à la liste. Alfred, nous sommes dans la liste. Mais oui, la fête nous connaît. C'est bon, question. Ok. Naïs et Fontiba, la députée Jean-Willer Jean-Tout, de la Croix des Bouquets. Voilà, elle a dit nous. Oui, Stanley Lucas, comment est-ce? Nous saluons Marco, nous saluons la campagne, nous saluons toute l'équipe là ensemble avec auditeurs, quand dedans et dehors pays. Mm-hmm. Et bien, nous sommes jetés en fouchette, ou t'es en intervalle, donc si le président n'a pas une justice, ou si il n'a pas dit qui est-ce que tu es président, on ne va pas venir. Mais intervalle là, comme si tant t'es bas là, temps passé, et ou toujours quoi, président n'a pas une justice, ou bien on pense que ça a privé fait. Et jodi a fait 36 jours depuis que assassin et massacré et tué président d'Haïti. Li affecté 14 millions haïtiens qui vivent en dedans pays a, l'affecté 4 millions 200 000 haïtiens qui vivent dans 63 pays sous la terre. Son tâche qui sous nous et qui va jamais sortir dans l'histoire monde et dans l'histoire pays a. Jusqu'à présent, pendant que je parle avec vous là, dans le peuple là, et dans le citoyen qui est dans la diaspora, il y a vivre des émotions que beaucoup de gens ne comprennent par rapport à l'assassinat président. Marco, nous connaissons qu'il y a 4 composantes qui touillent le président. Nous avons juste besoin que vous mettez nom pour le peuple là, dans 4 composantes qui touillent le président. Première composante qui touillent le président, c'est composante COBLA, composante financière. Pour monter une opération comme ça, on va chercher 26 soldats dans l'autre pays qui sont actes de guerre que la Colombie fait contre nous-mêmes. Et jusqu'à présent, nous pouvons connaître si soldats, c'est des soldats retraités ou actifs. Dans les deux cas, sont actes de guerre que la Colombie fait contre le pays d'Haïti.
Ou à chercher soldat ça, ou fait toute dépense ça, ou besoin au moins 20 millions de dollars américains pour monter opération comme ça. Marco, peuple a pas sort, peuple a gagné fait jugement et conclusion parle. Pas gagné 6 moun dans pays y a cabaye comme ça. Et peuple a gagné mettre non sur qui est-ce qui finance opération. L'autre composante, deuxième composante là, qui c'est composante sécuritaire, ou bien troisième composante là, qui c'est composante politique là, ou bien quatrième composante là, qui c'est composante internationale, quel que soit, j'en virer là, monde qui concevoir et payer pour opération, à grand pile monde dans le pays d'Haïti qui a accès pour monter opération comme ça. Et tout les gens qui mis là de voler et assassin qui l'a dedans. Même si nous n'avons pas pris bail, non. Le peuple a gagné tant qu'on est. OK? Deuxième composante qui touille le président, c'est composante sécuritaire là. Et la justice et la police, d'après ça, ont dit, fait gros progrès dans identifier policiers qui étaient en contact avec Colombiens qui soi-disant touchés. Mais gros composante là-dedans, bon réticence, ma contre sa réticence ça. Parce que lui connecté avec un groupe bourgeois volé, c'est composante 7 février. Tout le monde qui était connecté avec inspecteur général Marie-Louise Gauthier qui était pour aller touiller président Tabar 7 février. Bon, c'est des gens qui étaient passé ça dans bêtise. On nous compte qui est qui était connecté à Marie-Louise Gauthier. Et qui est dans le pays qui était son transfert en Argentine, lui servit avec un nom femme pour le faire transfert en Argentine pour début opération. On nous compte qui est ça, composante sécurité, ça, il y a un progrès, mais progrès à pourquoi là. Troisième composante pour tuer le président, c'est composante politique là. Nous avons deux éléments dans la composante politique qui tue le président. Premier élément, c'est unité qui tue le président. Et il n'est pas étonnant, c'est unité qui te fait et Milad volé et assassin, cadeau, tout bien l'État qui rapporte l'argent ou des goudins. Vous avez fait un cadeau, va, oui. Vous avez fait un cadeau, minoterie d'Haïti et la trier, nous avons besoin de là-dedans. Nous connaissons deuxième composante plan. C'est Wendell Cox, juge Evikel d'Abrésil. Wendell Cox, son juge à la Cour de cassation, li kon la loi, li kon doual. S'il pas de gagner pour reprocher tête li, li pas la rentrer dans caché. Il a pour avocat présenter tête li devant la justice. C'est parce qu'il connaît tout bon participer dans tout le président. Question qu'on doit poser tête ou dans tout troisième composante là. Pour qui ça, je dis a fait 36 jours qu'il est tout le président. Et puis premier ministre là, pas qu'a dit, finance, mettez 20 millions de gouttes. Mon cité soleil qui menait par la police vivante, John Joel Joseph, n'a pas 20 millions de gouttes. Mon nan bois neuf qui menait par Joe Joseph, n'a pas 20 millions de gouttes. Mon qui menait Wendell Cook, qui est dans le pays, n'a pas 20 millions de gouttes. Pour ça, premier ministre, depuis ça, pardon? L'État pas jambes baguen comme. L'État pas jambes baguen comme. L'État pas jambes baguen comme. Ça va exister. Semaine ça n'est pas d'où, pas gen kob, et pourtant dans le budget rectificatif là, président écrasé, a fait nèg volé dans le gaz, nous avons Ariel Henry voulu remettre volé dans le gaz là avec subvention pour nèg yo. Alors que subvention, c'est dans poche nèg yo qui l'a. Laissez pour bay bourgeois volé kob, gen kob, mais laissez pour peuple là, pas gen kob. Et quatrième composante là, qui c'est le composante international là, nous avons libéré ce moyen là. Je dis à Colombie, vous avez un mauvais jouet avec nous. Les gens ont manipulé deux trois journaux la caillou pour venir gagner un pack sous nous. Par exemple, ils ont fait mentir, ils ont fait 45 millions. Son fabrication que vous pour créer conditions pour soldats colombiens qui touillent le président sauvé. Et il y a des gouvernement qui besoin faire soldats colombiens sauvés. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça à la même personne. Et Negio avec intelligence, des manipulations, parce que Negio connaît que Colombie saute l'aide dans ce qui passe. C'est des soldats colombiens qui commettent un acte de guerre contre la République d'Haïti, n'en viennent assassiner le président pays nous. Et diplomatie nous entre pire. Ils te mettent à la retraite. On pense que des soldats à la retraite ont pays, t'as débarqué aux États-Unis, viennent tout le président américain, et puis américain t'as pas regardé comme ça. Oui, en matière de culture, de souveraineté nationale et de sécurité nationale, moi-même, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la corruption, nous ne devons pas crier un dent quand il s'agit de la souveraineté et de la sécurité nationale de notre pays. C'est des soldats étrangers actifs ou à la retraite. Nous ne connaissons pas à la retraite. C'est Negio qui dit nous ça. Est-ce que nous faisons enquête? Est-ce que le juge Charles fait enquête pour établir si nous sommes à la retraite tout bon? Moi-même, ça pose là, bon acte de guerre que la Colombie fait contre la République d'Haïti. Soldats ont passé Saint-Domingue tout. Qui rôle Dominique a joué, frère? Son avion privé
dont bourgeois dominicain qui est le Gonzalo Castillo qui mène les gars au Prince Louis. Comment faire intelligence dominicaine pas dit non rien sous ça. Gagne un mercenaire qui te compte travailler pour un bourgeois dominicain. Faut me déterminer World Dominicain l'assassinat président pays. C'est le président de mon pays. C'est la République d'Haïti, la première République nègre du monde. On pense qu'on est cabine aux États-Unis là, ou assassine un président américain, puis américain va le garder comme ça. Donc, nos composantes internationales là, on connaît américain, Daniel Foot qui débarque dans le pays là, comme envoyé spécial. Intérêt principal, monsieur, l'intérêt principal des États-Unis, dans tout le président, c'est nettoyer nos dire, parce que Gédé n'est qu'à le servir à nos institutions américaines qui ont les dire pour venir tout le président d'Haïti. Donc, priorité numéro un, Daniel Foot, c'est identifier tout nègre qui s'en l'ont dit dans le pays d'Haïti pour le nettoyer. Et Américains vont le nettoyer tout nègre qui s'en vient à nous dire. Nous-mêmes, bon, pas nous, intérêt national, pas nous, différent. Nous-mêmes, en matière d'intérêt national de la République d'Haïti, média, numéro un, dans quatre composantes, ben nous, nos mondes qui tout le président. Composante internationale, composante politique, composante complicité dans la force de sécurité, dans l'ILGPN, IFP, au guet identifié Negio, dans le commandement de la police avec Marie-Louise Gauthier. Qui est-ce qui participe dans tout le président? Je vous coca nous. Qui ça? Est-ce que c'est mon qui actif de la police là ou bien ancien au gradé de la police qui fait coordination? Faut que vous ben nous, non? Maintenant, notre intérêt national numéro 1, qui a tué le président de la République? Intérêt national numéro 2, rétablir la sécurité dans la zone métropolitaine. Intérêt national numéro 3, organiser le référendum, les élections présidentielles et législatives pour que deuxième lundi de janvier, 51e législature après serment, 7 février 2022, le 59e président de la République prête serment. Car c'est pour respecter votre peuple-là, parce que l'air tout est jovenel, c'est votre peuple-là. Et pour ça, nous n'avons pas une transition. Sous un allouvite pour transition, comme ça, ça veut dire, nous avons tout le président encore pour créer une transition. Et pour ça, nous n'avons pas une transition dans le pays. Qu'il y a ceci dit, en fonction de Jean Nègre Touye, président Jovenel Moïse, là, une conversation que l'émission ça a dû gagner, son conversation qui est embarrassante, mais qui est bon pour le pays. Si ici aux États-Unis, président Joe Biden, qui sont président américain, malgré avancement démocratie américaine, économie américaine, président Biden vient voir que bon certain racisme qui existait aux États-Unis par rapport à mon noir. Et c'est pour ça lui-même en tant que président des États-Unis, l'a goumé contre ça le racisme systémique aux États-Unis. Pour bailler mon noir chance pour améliorer l'union des États-Unis. Nous-mêmes tout, en tant que République, première République nègre, bon racisme systémique qui fait que campagne avec Marco ou bien Gary Pierre-Paul Charles ou bien Val, pas qu'à faire $500,000 américains par année. C'est malgré popularité de mission ça. C'est racisme systémique là, qu'il faut pas qu'à faire. Comment vous voulez une société qui gagne 99% point neuf moun noir et puis regardez moun qui gagne corbio ou pas moun noir là-dedans. C'est le racisme systémique qui fait ça. Racisme systémique là existait dans le système bancaire. Racisme systémique là existait dans l'éducation. Racisme systémique là existait dans Jean Milad Voley assassin capturé l'État. De là, nous consacrons le pouvoir législatif qui a dû travailler pour nous-mêmes, peuple, sous 28 sénateurs, il y a 20 qui travaillent pour l'oligarque corrompu Port-au-Prince. Sous 10 sénateurs qui étaient, il y a 7 qui travaillent pour l'oligarque corrompu Port-au-Prince malgré ça qui passe. Nous avons une société côté racisme systémique permettre de capturer l'État. Racisme systémique. Sandé, qui c'est dans de ça? Et bon, on va raconter des détails. Racisme systémique permet tout. Que nèg yo capturer la justice. Est-ce qu'on imagine nos campagnes? Est-ce qu'on imagine nos Marco auditeurs? La Cour de cassation qui est la Cour suprême de notre pays. Côté monde qui l'a lancé la crème de la crème en matière d'honorabilité, de dignité humaine. Et puis, ni la volé et assassin yo, a besoin trois juges dans la Cour de cassation pour mettre dans la Cour d'État et tout le président. Yo prend Yvickel da Brésil pour aller tout le président 7 février dans tabac. Les bagailles là échoué. Ils ont passé sous mécène. Ils ont remettre oligarque corrompu, ils ont remettre mécène. Bah André Michel, nous avons une vidéo comique là, sous les réseaux. Après ça, 7 juillet, il y a le point Wendell Corp. Ça veut dire qu'ils ont capturé la justice. Mais ils ont capturé la justice. Et je viens de dire,
la justice presque en rébellion contre l'État et le peuple. Parce que même la police, là, ils ont joint des nègres clairement qui participaient dans tous les présidents, ouais, ça la police, lui mettait en bas contre. Tandis que dans le système judiciaire, nous, éléments qui participaient dans l'assassinat président, où est-ce que la justice a pris disposition, parce qu'elle n'a même mis la volée, pour la guénègue qui participait dans tous les présidents en de la justice. La justice est en rébellion contre l'État. Et c'est pour ça, juge qui a intégrité, juge qui a caractère, juge depuis 30 ans, qui vivent normalement, affiché qui est touché chaque fois, même j'ai agressé tout, n'est-ce pas révolté. Et n'est-ce pas tellement arrogant devant nous dans la société, la systémique est tellement profond, pour nous dire une deuxième leçon, il a tout agressé. Pour montrer que c'est eux-mêmes qui mettent société à ou même ou pas camper soin en tant que société. Ils ont fait ça ou voulez. Ou même qui dans l'émission ça, souvent reportage sous Negio, Negio pas content, ils ont fait même Jean-Jovenel Moïse, ils ont fait même Jean-Agressier qui Negio crasé. Ou même qui dans la police comme commissaire et comme agent de police, demain matin, ou bien yon lade yo, nan volon, mette en bas kod, parce que yon nan kontre bon sou frontière, yon ka fon même bagarre avec Jovenel Moïse et Grecia. Ou même qui sont professionnels dans la société, wap fait travail ou normalement, wap font business ou en compétition avec yo, yon pas d'accord avec ou, yon ka krasé même Jean Jovenel Moïse. Donc nous non kafou là, kafou côté nous ya, 2021, pas qu'assemble à 1806, swem. 2021 pas assemblé à 1806. Ça n'a boumé là, n'a boumé contre le racisme systémique. Parce que comme nos bagailles, conseil de miracle en société à nègre normal, yo paye taxes, yo travaille dit pour yo faire petit comme yo. Mais quand si groupe miracle en société à nègre, c'est criminel et assassin que yoye. Et c'est au capturer l'État. Rodian, les noms dit ça, c'est pas une politique de la haine. C'est américain même chaque année, le 28 janvier, le président américain fait évaluation de l'Union des États-Unis. Union pas loin, il faut nous faire évaluation pâle. Parce que Union pas loin, pas qu'à 98% de l'UCS là, dans un petit groupe milat volé et assassin, hein? Et puis, nous mettons pour mourir grand bout dans la section communale, nous avons gardé nos concours époque de l'esclavage, ils ne sont pas que si bêtes nous avons mourir sans problème. Donc je dis à un moment que nous avons discuté là, si mon dossier pour émission ça a posé, et moi, j'ai pile une équipe permanente, c'est le racisme systémique avec une pratique d'exclusion de la majorité de la population. Si le président des États-Unis a lutté contre le racisme systémique, ce n'est pas nous-mêmes qui ne pouvons pas faire en tant que première république nègre. Donc moi-même, je ne parle pas aujourd'hui à cette discussion ça que nous faisons après-midi, c'est pour l'avancement de notre union. Pour que l'union n'ait pas un petit groupe. L'union fait la force, c'est pour nous tous qu'elle doit y donc, je dis à même pas ce que nous avons fait. Est-ce qu'il y a besoin de justice? Absolument, il y a besoin de justice. Malgré tout le blocage qu'on a. Bien entendu, pour libérer. Sans les gars, d'après toute théorie que vous développez là, d'arrêter, je vais poser une question, expliquez-nous très bien qui ça cap fait nous joindre justice. Puisque vous sautez par quatre composantes. Vous dites, première composante là, et une composante financière. Ou dit qu'il y a une composante sécuritaire, une composante politique et puis une composante internationale. Et où développer sous sécurité, la police impliquée ou bien la police, en pile moulue la police comme si concernée jusqu'au cou dans l'assassinat président, puisque le président mourit. Pas qu'au policier même qui graffoyait, personne ne va raconter ce qui passé. Le président font pile dans la prêle pour demander de secours. Personne pas venu porter le secours. Alors que c'est DCPJ qui c'est en branche dans la police, qui prend temps, qui mène tout en quête pour monter dossier, on dossier 120 pages, pour remettre à la justice. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, vous parlez de aspect financier avec aspect politique. Et dans la réponse ou bien dans l'explication qu'on baille, on montre que ou dit que c'est unité qui tue le président. Et premier ministre nous est là, ou même tout, ou dit premier ministre, unité. Ça veut dire, unité qui tue le président, c'est unité à Jodia qui a dirigé le pays. Et ou ti jan lié unité avec groupe financier. Donc, si unité a sous pouvoir, groupe financier a tout.
comprenez, li même tout li sous pouvoir. Dernier composant tout prend, parce que je prends un boum dans l'eau, vous parlez de composantes internationales. Premier groupe moun qui vient ici de venir porter nous secours, c'est la Colombie. Deuxième groupe là, c'est FBI qui vient, qui sortit aux États-Unis. Bon, qui condition d'après vous-même qui remplit là pour le président de une sécurité? Les moun nous dit que plus que dans le président, bon, c'est tout le monde qui a encore qui a mené l'enquête là. Belle question qu'on pose là. Je vais commencer par la dernière partie. Et on a monté en l'air. Ok? On garde la dernière partie. Là où fin touye premier ministre Rafik Hariri dans le pays Liban, Nations Unies te mette un tribunal spécial avec un enquêteur spécial. Yo te joindre tout le monde, yo te identifié tout le monde qui te touye premier ministre Rafik Hariri. Question que nous devons poser tête aujourd'hui. Comment faire que 36 jours après que yo touye président Jovenel Moïse, malgré une requête que le ministère des Affaires étrangères et gouvernement envoyé par les Nations Unies, qui vient faire que le Conseil de sécurité pour mettre un tribunal spécial avec une enquête spéciale pour Haïti pendant que c'est sujet Bini qui est autour du président. Est-ce que ça, Jean-Président Biden dit, est-ce que c'est du racisme systémique? Est-ce que nous noirs pas voyons devant les Nations Unies? Parce que nous gardons, nous avons fini tout 9500 Haïtiens avec choléra Nations Unies, ils te promettent pour dédommager toute famille Haïti qui est collée à la Nations Unies, c'est tout hier jusqu'à présent pour qu'on fasse. Est-ce que c'est du racisme systémique pendant que la Libye qui est tout hier américain, ils ont fait la Libye payer des milliards pour que la famille américaine soit dédommagée? Est-ce que c'est parce que son président noir, nous noir par monde, c'est ça Joe Biden dit, est-ce que c'est le racisme systémique dans l'institution multilatérale? Ça a fait un algadel. Et c'est pour ça la première république noire du monde. Il faut le développer en idéologie pour combattre le racisme systémique. Là, moi, je dis, il faut que c'est le noirisme démocratique qui sont nouveau idéologie. On a essayé de composer là pour faire un noir placé dans le pays d'Haïti, en Amérique latine, dans la Caraïbe, dans le monde là, parce que nous allons gagner la richesse mondiale. Deuxième partie dans la question qu'on pose là, par rapport à Premier ministre Ariel Henry. Bien que le président n'a pas de ancienne nomination, il a en couru, il a fait montage pour le courir du Premier ministre. Moi-même, j'ai des inquiétudes sérieux par rapport à Premier ministre, pas en fonction de ça l'a dit, mais en fonction d'action qu'elle posait. Comment faire qu'elle pour commettre plus 20 millions de gouttes sous chaque mounio que la police a cherché pour mener au vivant par la police? Bon, garantie, ou bien 20 millions de gouttes pour chaque mounio, demain matin, Grand Cité Soleil a porté John Joël Joseph Baou. Et Premier ministre bien connaît que parallèlement, il y a des oligarques qui baillent l'autre pour trouver John Joël Joseph, Abadio Joseph pour ne pas qu'il s'en parle. Oligarque qui est en bail l'autre pour ça. Même si on était bail l'autre, éliminé de Sougan pour ne pas qu'il s'en parle. Donc, moi-même, par rapport à la Premier ministre, qui action qu'elle posait qui inquiétait nous? Agence nationale d'intelligence là, qui était créée en conseil des ministres, si nous t'étions mettés dans le pays en service d'intelligence, même si à toute démocratie, Américains ont 29 institutions d'intelligence qui pour protéger l'État allié peuple. Je voulais dire, si ça me remarquait, je touille un président parce qu'il n'y a pas d'intelligence. Comment faire des soldats colombiens débarquer dans un pays qui a depuis plusieurs semaines, nous ne pouvons pas identifier qu'il y a un souterrain? C'est même je touille, mon cabine là, des bactéries avec virus dans le pays pour touiller peuple. Nous ne pouvons pas avoir d'intelligence pour identifier ça. Donc, au lieu du Premier ministre de renforcer le service d'intelligence, pour ça pas encore, pour Premier ministre ou bien président pas mourir, député, sénateur pas mourir, ou à laisser écraser. Ça, on doit poser tête aux questions. Deuxième action que le Premier ministre a posé, c'est là, quand on a parlé là dans ce groupe FM. Il s'est posé des bagailles qu'il fait, qui mettait vraiment inquiétude dans tête peuple là. Pour le Premier ministre était, parce que les gars n'ont imité même j'ai avec vous, ou a dit, ah, ou pas quoi, bah, Dieu Joseph. Avec dit, ouap. Ou à bail commissaire gouvernement pression, ou à bail juge d'instruction pression, ou à bail greffier pression, ou à bail DCPJ, commandement la police pression, ou à bail ministre justice pour orienter l'enquête là pour ou pas vrai au maré, néglinité qui touille le président. Laisse ça, premier ministre, hypothèque et tête privée dans ce couple, elle fait déclaration ça. Parce que moi, j'ai Gary calé, et c'est pour Gary dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bellaram, si ça me souvient là. Et Gary pose la question, là, il porte et puis monsieur monte sous vos bois. Et puis glisse. Deuxième bagaille que nous faisons dans l'émission ça, qui inquiète le peuple là, c'est une commission indépendante qui travaille pour une nouvelle constitution, qui fait un premier draft.
en pile monde dans société a critiqué, peuple a critiqué. Yo corrige toute critique que yo te mandé. Il vient avec un deuxième draft. Yo fait des critiques encore. Finalement, vient un troisième draft. Tout le monde finit d'accord à troisième draft là. Et puis qui ça premier ministre a fait? La remettre on est imité vérité pareil. Jacques Limac qui dans université Kiskeya. Nouveau constitution pays a comment qu'a fait bail comme ça? Lors qu'on est que c'est nèg unité ça qui était falsifié amendement constitution en 2009. Mais ils ont commis plus gros crime politique qui n'a pas eu, mais ils ont falsifié amendement constitution en 2009. Gen sénat qui te baille, non, tout le monde qui te participe dans la falsification. C'est des négignités qui ont été. Comme on apprend, on constitution, qu'on peut finir travail sous lui, commission indépendante finir travail sous lui, et pour pouvoir baille négignité pareil, ou Jacques Limac pour le falsifier. Pas une personne qui a pris ça et qui inquiète par rapport au premier ministre. Qui l'autre action que le pose? Monsieur a essayé de bloquer l'élection. Conseil électoral n'a pas aucun problème. Les gens qui sont dans le conseil électoral n'a pas volé l'élection. Nous comptons ça depuis 2010, l'élection n'a pas volé dans le pays d'Haïti. Sans faire, c'est lourd. Pour qui ça? Parce que jouer l'élection, ils mettent tout procès verbal sur le website KEPA. Sans faire, c'est lourd. Au lieu de nous que nous avons accéléré dans l'établissement de sécurité dans la zone métropolitaine pour l'élection, c'est qu'on a dit que nous voulons écarter le peuple dans le processus démocratique. Le gros pouvoir qui est dans le pays, c'est le citoyen avec son bulletin de vote. C'est lui pour décider qui est capable d'entrer dans le Parlement, qui est capable d'entrer dans le Parlement national. Mais je ne parle pas de ça. Où est tout le monde qui veut rentrer dans l'État pour aller ravitailler? Où est-ce qu'il y a une réunion? Elle rentre sur tel bourgeois là, il y a une réunion Montana, il y a besoin de ravitailler sans votre peuple là. Ou pas qu'à rentrer comme ça dans l'État. L'État a des conditions claires. Question qu'on doit poser. Le premier pays. Mais des élections en Afghanistan, mais des élections au Mexique, mais des élections au Nigeria, mais des élections pas quelque côté sous la terre. Les des élections dans tout pays, moi, leader politique, parti politique excité, vous dites, mais qui est-ce qui est tant pour y aller voter pour moi? Et puis moi, dans le pays d'Haïti, leader politique a bloqué l'élection, mais je ne vais pas faire vivre, non. Les gens ne peuvent pas. Alors que, son bail qui est facile, 9 mois là, 5 mois là, ou café ou qu'a prêté serment dans le palais national contre 59e président. Au lieu de rentrer dans l'hôtel El Rancho, ou bien rentrer dans l'hôtel Montana, pour ils ne pas commencer à faire 6 section communale, ils dit peuple, attends, puis, c'est moi qui solution. Non, il va faire qu'à fait. Donc, le premier ministre, non, processus, bloqué, processus, interview dans le nouvel islam. Son l'autre, bah, inquiétant que le premier ministre, ben, nous encore, mais inviter tout étudiant en sciences politiques, en relations internationales, en économie, à l'interviewer. Dans l'interview, monsieur voulait faire un budget rectificatif pour Milad voler qui a pillé l'État, mon cher. Ou pas qu'on fait bail comme ça. Budget est pour le peuple là. Ou doit faire un budget rectificatif, tout projet qui a fait dans la province pour le peuple là, pour continuer, pour finir. Central Kapoua qui finit, il faut qu'on inaugure. Central Douéa qui finit, il faut qu'on inaugure. Central Karistan qui finit, il faut qu'on inaugure. Central Okapla qui finit, il faut qu'on inaugure. L'hôpital Port de Paix avec Central Port de Paix qui a 95% fini, il faut qu'on finisse. On va faire budget rectificatif pour un gaz là, pour mettre subvention dans le gaz là, alors que le président Jovenel Moïse t'expliquait clairement subvention qui te doit adjoindre. Faire placer Milad voler pour de presse qui prend lui. Donc, de qui ça me fait là? Est-ce que c'est pour oligarque qui travaille ou bien me fait travail du pays? Bien entendu, Renard Ribéris lui-même, le secrétaire général des. Du Conseil des ministres, qui doit des réserves, même pas secrétaire général du Conseil des ministres. Il faut que nous parlions causer pour le pays. Je dis à M. Pays, bon 59e président choisi par le peuple. Pas que l'autre monde qui doit mettre 59e président, après au fin tout le président, Consala Kaili, le 58e président, je veux honorer démocratie, honorer peuple, honorer pays, caler corps devant peuple, dit c'est moi le 59e président, votez pour moi. Laisse à tout le monde à respecter. Respectons leur prêté seulement le 7 février 2022. Pas de rien qui empêche nous faire élection le 7 novembre, j'ai un calendrier électoral là. Malgré des élections dans le pays, tant qu'on Afghanistan côté de la guerre. Son seul côté de problème dans le pays, c'est une zone métropolitaine à peu près 4 communes. Mande Brésil, aidez-nous. En 2006, c'est Brésilien qui t'a aidé nous craver gang yo dans la zone métropolitaine dans 2 semaines. N'est-ce qui ministre de la Sécurité publique au Brésil, c'est le commandant ministre. Parle avec le président brésilien, parle avec le ministre de la Sécurité institutionnelle du Brésil. En 3 semaines, il y a des nous craser gagnants. 7 novembre élection. Que le meilleur gagne. Moi-même, les femmes, je vais choisir dans qui compte politique et ma pied, mal fait campagne. Que le meilleur gagne. C'est ça, pays a besoin. Pays a besoin au retour à l'ordre constitutionnel à travers les élections. Bah,
accord que yo signé, c'est pas accord que lié. Ça n'est que signé, son document pour garantir stabilité politique dans le pays. Ça n'est que signé, son document pour craser l'élection. Ça n'est que signé, son document pour écarter le peuple là. Ça n'est que signé là, c'est pour aller ravitailler dans l'État. Mais ça va empêcher pendant négocier l'un ou quatre ou traiter de tout, de tous les noms. Et États-Unis lui-même, il a envoyé lui qui là pour qu'il négocie avec Negro pour connaître qui ça a gagné, pour un large consensus pour nous arriver dans l'élection Abdilayo. Bon, Américain lui-même, il ne faut pas oublier, Américain dans chaque pays, il y a ça qui représente l'intérêt national dans chaque pays. De les relations internationales, étudiants Inagé comptent ça très bien. Nous travaillons dans l'affaire étrangère, comptent ça très bien. Les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Qui est intérêt américain là souterrain? Américain a deux intérêts. Et c'est lui-même que Daniel Foote, en tant qu'envoyé spécial des États-Unis, qu'il vient défendre, même si l'Américain a envoyé spécial en Afghanistan et l'autre côté sous la terre. Ce n'est pas la première fois qu'il voulait envoyer spécial. Nous avons là un Spezzulo pendant le coup d'État qui a été remplacé par William. Les madame Clinton des présidents, chef de cabinet madame Clinton qui était contre descend et Melinda Mills et madame Mills était contre vienne jouer une sorte de rôle avec l'ambassadeur d'envoi spécial. Je dis à qui ça intérêt des États-Unis en Haïti. Des bagailles, il va plus. Numéro 1, joindre tout le monde qui sale nos dieux et faire opérer pour ça. Les nèg yo servi à nos dieux, yo salon institution américain, faut qu'américain joindre qui monde qui fait ça pour le casser. Parce que il va gêner lutte contre drogue américaine a fait en Amérique latine et dans la Caraïbe, il va remettre en question coopération que dit gain avec conseil des pays en Amérique latine et dans la Caraïbe et dans le monde. Donc premier intérêt Daniel Foote, c'est joindre toute nèg qui sale nous dit en Haïti et qui tue le président parce que son menace pour tout président dans zone là, son menace pour la démocratie conformément à la charte démocratique régionale. Deuxième intérêt américain, c'est l'organisation du référendum et des élections en Haïti pour le renouvellement et du personnel politique, pour une stabilité politique, pour un gouvernement élu, parlementaire élu, président élu. C'est bien intéressant, Daniel Foote, de régler. Bien entendu, nous avons besoin de ravitailler dans l'État. Yo. Nous connaissons que l'élection n'est pas intéressée, stabilité politique n'est pas intéressée. De ce passé là, nous avons 4 ans de stabilité politique. C'est nous qui avons le cas gagné. Et derrière, nous c'est pas qui pique du arrêt. Derrière, nous c'est des qui travaillent pour nous la voler, pour nous la voler pour le prince. Qui pille l'État, qui pille l'État tout côté. Donc je dis à nous une opportunité historique pour nous reprendre l'État, pour nous mettre l'État, les trois pouvoirs, pour nous remettre l'État au service du peuple. Nous avons une opportunité historique pour nous discuter, ça américain a discuté la caillou, de racisme systémique qui existe dans la société, a, qui empêche les noirs de vivre le monde. Il y a des qui perdent discussion ça. C'est une discussion que nous devons faire. Parce que imaginons, organisation qui n'a pas pouvoir exécutif là, qui a droit de nous tout service. Je ne vais pas nommer nous, APN nommer Negio, la douane nommer Negio, BMPAT nommer Negio, Dimitri va rentrer dans BMPAT, 197 millions de Caribé. Gazoui, on va compter ça avec lui. BRS nommer Negio, Negio est rentré dans la Banque Centrale. 12, 20 millions de dollars américains chaque mois pour Blackout dans Port-au-Prince. EDH nommer Negio, ONA nommer Negio. Régional Boulos entre dans l'ONA là, il prend 2 milliards, 900 millions de gouttes et 1 million de dollars américains cash. ILCC fait rapport qui montrait comment Reginald Boulos volait. Et puis nous ne pouvons pas mettre dans la côte. Si c'est Marco qui fait ça, campagne fait ça, Gary Paul fait ça, Stanley fait ça, Libéry fait ça, nous des gens bas côte en prévention privative. Qui Jean Boulos fait à caler l'école dans la réalité en bas côte même. Racisme systémique, c'est ça qui fait ça, il faut nous gouverner. Dans le pouvoir exécutif, un coup des côtes en mer. Comment est-ce qu'on prend un coup des côtes pour aller se réinstaller des juges qui étaient dans tous les présidents Frem? Nous avons essayé de réinstaller des juges qui étaient dans tous les présidents. Dans tout le pays de la démocratie, nous avons dans le bas de DNC n'a pas de comment vous voulez pour une mène de vous voyez là, il prend 30 millions dans le DNC, vous prenez 10 millions. La Chedelco deuxième main, l'autre 20 millions l'État, oui, Marco. Vous prenez la révestir Saint-Domingue. Pas même dans le pays, non, Marco. C'est du racisme systémique. Donc, bagaille ça, nous avons une opportunité historique pour mettre un point final sur vous. Et ça, je ne vais pas dire pour Stanley. Je ne vais pas dire pour même ou même qui n'a mis quoi, je ne vais pas dire pour vous. C'est pour petit tout, oui, car vivons l'autre jeune pays ça. C'est pour petit nous. Moi, je ne vais pas dire tout un capitaine de mars, il y a des miracles qui aiment bien pile avec eux. C'est des gens qui payent taxes, des gens qui créent travail dans la société, des gens qui parlent voler dans la société. Mais excusez-moi, mais il a volé eux-mêmes, il a tassé eux. Il faut nous finir avec eux dans le pays légalement et démocratiquement.
Pour les Américains qui ont goûté contre le racisme systémique, pour étirer le racisme sous nos États-Unis, faut nous-mêmes tout dans le pays, pas nous, nous faire. Nous ne pas arrêter, nous sommes des nègres d'accord rester avec les nègres. Ça, pour nous mettre un point final là-dedans. Donc moi-même, par l'après-midi, c'est une opportunité historique que nous avons là. Je vais répéter encore, 2021 par 1806. Oui. Là, vous comprenez, vous avez fait nous prendre notre fille et greffière. Les nègres qui ont greffière, ils nous piquent le fait peur. C'est juste là qui veut faire peur. C'est le système judiciaire avec juge compétent et greffier compétent là-dedans qui fait le pays. Pour montrer nous-mêmes, nous ne sommes pas moun, non. Nous allons montrer les gens, sans nous pas faire personne injustice, qu'il y a justice dans le pays. Il y a des gens toujours dans le pays. Il y a petit Dessart, il y a petit Louverti, il y a petit Capois Lamont, petit Christophe qui l'a toujours. Et nous-mêmes, les gens disent ça après-midi, c'est pour nous créer une union qui est meilleure pour la société. C'est pour une distribution de richesses dans la société à côté tout le monde qui a égalité des chances, égalité économique. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous prenons ça relais le droit à risque démocratique comme idéologie. Pour mettre l'égalité des chances, l'égalité économique. Nous n'avons pas de problème à aucune race, aucune couleur. Nous voulons tout le monde gagner chance. En Amérique latine, il y a 210 millions de Noirs. Il y a 100 millions qui sont en misère, qui n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques, noir et systémique, c'est pour gourmet pour ça. En d'un Banque mondiale, en d'un Fonds monétaire international, en d'un BID. N'est-ce pas jambon nous comme pour nous investir dans l'infrastructure qui base le développement économique. C'est racisme systémique. C'est nous-mêmes comme esclaves pendant 400 ans qui baissent toute richesse que le monde a gagné aujourd'hui. Nous n'avons pas accès à eux-mêmes. Pfizer comme vaccin, nous n'avons pas accès à lui. N'est-ce pas qui n'a racisme systémique là? N'est-ce pas prêté en dedans système international là 17 trillions de dollars américains à 0%. Nous-mêmes, nous n'avons pas prêté rien. Racisme systémique. Racisme, pays pauvre, pas de droit à rien. Tandis que pays qui riche, c'est 17 trillions de dollars, ils sont à 0% là, dans le système international. Là. Nous-mêmes, Covid l'a crasé, nous. Qui ça nous joigne à 0%? Rien. C'est du racisme systémique. Donc moi-même, si je vous dis, si vous allez faire ça après-midi, quand vous quittez qu'elle me parle, c'est pour les jeunes qui viennent, c'est pour les générations futures. Pour nous, l'union fait la force tout bon. Je veux dire, l'union fait la force, ça n'a pas existé. C'est l'union pour une petite catégorie. Et il faut nous mettre un point final là-dedans. Mais le système n'est pas fort, le système n'est pas petit, le système n'est pas malouk, le système n'est pas brutal, le système n'est pas violent. Sous le catouille, un président, le catouille, greffier, un juge, il faut nous enquêter à fait, ça montre puissance le système. Vous même ça n'a pas mal facile, mais grand pile, nous n'avons pas eu petit capra là-bas. Même je n'ai pas une société secrète, Pétionville. Pour nous démanteler tout le monde qui veut changer le système, non? Nous-mêmes, tout le monde, nous monter la société secrète qui a la mort partout pour nous détruire le système, ça, qui a mis l'inégalité et la pauvreté. Bon, nous allons finir Stanley Lucas, mais je vous pose une dernière question. Ça. Et nous avons information que Daniel Foot donc rencontré avec l'ambassadeur Bookshit dans Washington, bien avant qu'il vienne en Haïti. Étant donné que nous sommes à Washington, et qui sont cas dit nous sous rencontre ça? Bon, son respect des institutions de notre démocratie ou bon ambassadeur dans Washington, c'est tout à fait normal par respect pour pays nous et pour institutions nous, qu'elles font parler à l'ambassadeur, comment le Washington n'a pas agi par rapport à l'amour président, est-ce que le département d'État mandé conseil de sécurité pour le nom de mon tribunal spécial et enquête spéciale pour Haïti, c'est vrai, FBI travaille sous lui. Mais FBI là lui-même, c'est un intérêt américain spécifiquement qui vient défendre. Ça veut dire qui j'en pour nettoyer non dit et qui n'est pas sale. Et comment pour jouer un monde qui sale non dit pendant que. Donc, pour moi, je rencontre ça, il rentre dans le cadre, ça les courtoisies diplomatiques pour que vous faites. Les rentrées dans le pays, c'est certain. Jean diplomatie américaine n'a toujours fait tout l'autre côté en Afghanistan et plusieurs pays en Afrique, en Amérique latine et dans la Caraïbe. Il y aura le temps les différents acteurs, mais Américains en tête, ils connaissent que la meilleure façon de revenir à la stabilité politique en Haïti, c'est par l'organisation du référendum et des élections le 7 novembre. On a besoin de pouvoir, car l'école en élection. C'est le bagage moi-même, d'apprendre des KEP anti-flexibilité, relouvrir pour 10 jours et enregistrement parti politique, nous montrer que de bonne foi, relouvrir enregistrement des partis pendant 10 jours. On est goulé à décider de boycotter. C'est droit constitutionnel pour boycotter, mais organiser l'élection, son obligation constitutionnelle liée. Nous avons en 1995, parti qui a boycotté l'élection, il y a à peu près 60, mais il y a regrette après. Parce que vous avez boycotté l'élection, c'est OPL qui a remporté majorité dans la législature qui était sorti dans l'élection 25 juin 1995, côté OPL était dominé.
Donc, je dis à un cowboy côté, c'est tout compliqué. Moi-même, c'est le bagage m'a fait là, c'est KEP a réouvri pour 10 jours, enregistrement parti, pour les gens qui dehors chancio, les gens qui décident de rester dehors, et qui gardent l'élection a fait 7 novembre, pour bien payer. Parce que depuis l'élection parfaite, on va rentrer dans une instabilité chronique, augmentation de la violence, il n'est pas bon pour la démocratie, il n'est pas bon pour la stabilité politique. Donc Daniel Fout lui-même, il vient régler l'intérêt américain qui fait stabilité politique et joindre tout le monde qui servit. Même, si on est qui a servi à nous, Dieu, grand pile qui mourit déjà là. Grand pile, l'un de mourir déjà, ou pourquoi mourir nous. Grand pile là, de ne pas mourir même. Alors, ou pas sale non, institution américaine, comme ça, son papier est bouli. Dès que ça va mettre rangé quoi. Donc nous-mêmes tout, même si les Américains n'ont pas un grillé de avec qui ça nous dit, même qui ça nous la justice, juge qui a compétence et capacité d'intégrité dans le système judiciaire, faut nous nettoyer la justice pour le pays et pour la nation. Moi-même, il y a un congrès, il y a un juge qui est l'aime. C'est-à-dire qu'il y a Bohem, bon moi non, 20 juges qui ont touché dans mes oligarques, volés pour d'autres. Il dit, n'ayez pas fait ça. C'est nous-mêmes, même, c'est pas moi-même qui pouvons aider nous. C'est nous-mêmes, même dans le système judiciaire, les droits humains qui travaillent pour les gars, qui corrompent le système judiciaire, ensemble avec le juge greffier, qui corrompent notre système judiciaire, c'est nous-mêmes, juges d'intégrité, qui ont intégrité, qui pouvons faire. Pas de monde qui fait pour nous. Et pas de pays sans la justice. Doit avoir égalité des citoyens devant la loi. Qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on chef ou pas chef, qu'on petit rouge, qu'on petit noir, comme on dans le monde, comme on la ville, la justice doit traiter tout le monde même gens. Jou ça fait dans le pays, a bon bel pays dans le nous. Merci à Louis Stanley Lucas. C'est moi pour remercier, moi espérer que l'auditeur qui t'attendait là apprend un bagage, et un bagage qui est certain, moi vais tout le monde de façon symbolique, chaque mercredi midi, pour nous montrer les gens qui n'a veillé processus et travail pour le président de justice. Mm-hmm. Chaque mercredi midi, c'est Jules de mourir à son mercredi, n'a pas battu net, n'a plaxonné à travers le pays. Si nous avons côté privé, nous sommes clairement que oligarchie a bloqué justice là, parce que moi je pas d'accord et Marco campagne. Mm-hmm. Que si on a notre sinègue noué, à si fond noué seulement, qui tout est président, moi je ne pas prendre ça à l'homme. Moi, on ni nègre noué, ni femme noué, ensemble à gros mille à cassé qui est président. Moi je ne pas venir si nègre noué, si femme noué, puis camper là, et puis gros mille à cassé, nous ne pas le mettre en bas. Ça va plus de jeudi. 2021 par 1806. Bon Dieu de nous, qui est là. Merci en pile. Bon, on t'a fait un petit parler avec Stanley Lucas. Donc, Stanley...